Salut les gens Comment ça va Comment allez-vous aujourd'hui Ah bah ce soir c'est un peu la fatigue salut salut salut, salut 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 Sally Comment est-ce que ça va Alors comment ça va bien Hein Comment ça va bien Hein bah aujourd'hui c'est la fin de journée. Demain euh, pour certains le week-end, pour d'autres pas. Non je dis ça parce que je suis la seule au boulot à bah, bosser demain. <laughs> c'est moche hein mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas très grave. C'est comme ça, c'est la vie hein. Les... Les collègues permanents ont beaucoup d'heures à rattraper donc bah ils posent des jours et bah forcément ils font des gras week-ends. Ils ont bien raison hein. Si je pouvais je ferais pareil. Bon, ici, soirée blabla tranquille. Hein, donc, euh, on s'est équipé, bien évidemment, hein, pour la soirée blabla. Avec un peu de chance, je dormirai cette nuit. Oui, j'ai quelques problèmes de sommeil en ce moment. C'est un peu relou. C'est pour ça que j'ai des tout petits yeux. Oui, tout petits. Comme ça, là. Oh, je vois plus, je suis crevée. Allez, ah, c'est bière. Bon, les gens. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, vous me l'avez peut-être vu en direct live Et vous avez Hip, il est là Hop, hop, hop Vous le voyez là Et ah, ah, ah Ici, là J'ai fini le nano, j'ai fini le nano Mais j'ai pas fini l'histoire. À ah, la galère, à ah, la loose Ça va être compliqué encore tout ce bazar parce qu'il va, va falloir finir. Si j'arrive à m'exprimer mieux, c'est mieux. Sinon, ben, tant pis, hein, je parlerai de travers. Alors, l'idée, ça va être de continuer à faire des lavées écritures les mardis soirs, à 19h30, hein, comme on avait pris l'habitude. Mais probablement que j'en ferai pas forcément beaucoup d'autres dans la semaine. Parce que les enfants, j'ai besoin de souffler un peu. Vraiment. Et euh, en fait, on se rend pas compte quand on est de l'autre côté de l'écran, mais en fait, faire des lives c'est fatigant. On, on s'en rend pas compte. On, on croirait que la chose oh, c'est débile. Tu parles devant une caméra pendant des heures, tu branles pas une. En fait, si, c'est fatigant. Et donc euh, voilà. Donc euh, on tire quand même sur la corde depuis un moment. Euh, donc je vais faire beaucoup moins de lives, mais ça ne veut pas dire moins de live, pas d'écriture, parce que vous le savez, ce texte, il faut le finir. Ah oui, commencer un texte, c'est bien, finir, c'est mieux. Donc, l'objectif pour moi, alors je vous aurais bien dit que d'ici la fin du mois de novembre, je voudrais finir euh, d'écrire cette partie 3 de partie 1. C'est dans une semaine. Comment vous dire que c'est très peu probable euh, parce que euh, si je voulais finir il faudrait que je carbure Et je crois que euh, euh, Le réservoir qui a besoin d'essence euh, Est vide et il n'y a plus d'essence Je parle pas des voitures je parle de moi bien sûr Donc On va prendre notre petit temps Tranquille peinard et on va avancer En sachant que pour les lives d'écriture Alors je sais pas si Bleuhen en fait toujours euh, euh, Bleuhen. Est-ce qu'il y a sur Bleu sur Twitch Oui, il y a Bleu il oui, y a, Hen, y a euh, Mélanie Dacoster qui en fait de temps en temps, il y a Catherine Loiseau qui en fait assez souvent. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de trouver des lieux pour pouvoir écrire euh, ou bilou et continuer d'avancer les projets. Ce que je ferai peut-être, on verra. Mais voilà, il faut que j'avance. Et euh, j'avoue que je ne vais pas me battre avec le nano pour avoir euh, les badges. J'ai écrit tous les jours. Parce que je n'ai pas écrit hier. Donc de toute façon, le badge, c'est foutu, c'est pourri. Finger in the nose. Euh, donc voilà, donc on va s'arrêter là. Pour le nano. De toute façon, on a rentré 50 000 mots. Hein, en tout, on est, à plus on est à 100 160 mots pour l'instant. Euh, c'est dur. Et je pense qu'on va aussi monter vers les 150 000 mots. Alors, peut-être pas. Peut-être... Euh... Je ne sais pas si on y atteindra... les atteindra, en fait. Mais j'ai envie de dire, euh, on s'en fout. Le but, il faut que le texte, il avance et qu'il finisse. Et on va pas trop se mentir. Euh... Vous vous rappelez, quand j'ai commencé, il euh, y a des temps immémoriaux. Hein, euh... J'ai commencé là. Hein Hop bah, on est par là! <laughs> on est par là! <laughs> oui! Oui, vous voyez bien, on est par là! Là, il y a tout ça qui doit se passer encore! <laughs> Et on en a fait du chemin, les gens, ensemble! Hein. Je ne sais pas quand j'ai commencé les lives avec vous, parce que je ne conserve pas mes lives d'écriture. Parce que, euh, déjà, euh, on s'en fout, hein, prodigieusement, euh, on s'en tamponne! Oui c'est bon j'ai rangé dans mon sens. Euh, déjà, on s'entend et puis bon voilà. Euh, mine de rien, ça laisserait le manuscrit en accès libre, euh, même si c'est que le premier jet. Euh... Pardon, je suis HS et j'ai pas chaud. J'ai pas chaud en plus. Donc euh... Euh, Donc voilà, donc euh, les lives sont pas conservés. Hein. Toutes les, les autres lives que je fais, les blabla, les tizaplumes, les tis à plumes les soirées compotes, etc. Elles sont sur, sont sur mon YouTube. Bonjour Dodo Je vais essayer de vous le mettre, mon lien. J'aurais dû préparer ça avant, mais c'est pas grave. Et oui, la Dodo, elle est là. Regardez-moi ces belles vidéos bien longues <laughs> D'ailleurs, je crois que la dernière, euh, la dernière soirée compote est pas encore en accès, ce qui est normal parce qu'elle doit être encore sur Twitch. On l'avait fait quand Le 11 novembre. Ah 11 novembre plus 14, ça fait 24. Ça se trouve, elle était dispo jusqu'à aujourd'hui, donc je pourrais peut-être sortir euh, l'arbre généalogique des Bourbons là en ce week-end là. C'est cool. Ouais, il faut que je fasse ça. Donc voilà, tout le reste est sur YouTube. Hein, euh, Amusez-vous. Donc voilà, je laisse tout sur YouTube. Hein, donc si jamais vous voulez revoir les soirées compotes et les soirées blabla, il n'y a pas de problème. Regardez qui est là. Regardez Tartampion. Regardez le Tartampion. Hein alors, chat cherche famille. Donc, sa famille, si elle existe, et sinon, à euh, caser. Oui, Tartampion. Oh, il y elle n'est pas contente. Hein oui, regardez-moi ce Tartampion. Regardez-moi ce Tartampion. Sauvez-le. Il faut le sauver. Sauvez-le. <laughs> Sauvez-le de la torture. Hein Regardez-moi ça. Beau chat, beau chat. Beau chat. Donne beau chat. Hein <laughs> Toi, t'as mangé. T'as un gros bidon. Allez. Hein? Enfin, oh, bouffer, il fait que ça en même temps. Hein Mon Dieu. Ah non, mais j'ai encore récupéré une tanche. Hein j'ai récupéré une tanche encore. Hein euh... Tout à l'heure, il m'a accompagné aux toilettes. Il y a Odine qui a voulu venir. Je te raconte pas comment il s'est couché. Hein? Oh, t'as une tanche. Hein? Ah, t'as une tanche. Bah ben oui, il veut jouer, sauf qu'il veut jouer avec ma main. Ouais, c'est une belle grosse tanche. Donc voilà, si vous habitez dans le Gers, que vous avez perdu votre chat, il est peut-être ici. Hein, hein Il t'est pas stérilisé, pas identifié ni rien. Donc, euh... ça va ma dodo Bah ben oui, ma dodo, elle est pas contente parce que Tartampion, il est là. Mais oui. Mais oui, t'es un gentil tartempion, hein Hein Regardez-moi ce beau tartempion Regardez-moi ça Là, je vais me faire censurer par Twitch pour maltraitance animale. <laughs> Regardez comme il est gentil, hein Il est forcément à quelqu'un, ce gentil chat, hein Il est forcément à quelqu'un. Oui, je suis à quelqu'un. Ma famille. Où êtes-vous Venez me chercher. Et Dona qui s'est sauvé Hein, hein, hein? Il est gentil. Hein? T'es gentil. Et ça ronronne, hein? Vous entendez pas, mais ça ronronne, hein? C'est un gentil chat, hein? T'es un gentil chat. Hein? Je suis encore toute ta colonne vertébrale. T'es quand même pas bien épais, à mon avis, pour ta taille. Hein? Je veux m'en débarrasser, les gens! Venez le récupérer ou venez l'adopter. Et vous n'êtes pas obligé de l'appeler Tartampion, hein Moi je l'appelle Tartampion parce que voilà, je lui vais pas trouver d'autres noms, mais. Euh... C'est bien comme nom Tartampion, non? Hein hein Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez adopter Tartampion, hein Si vous êtes dans le Gers, peut-être dans les Landes ou dans le 47. Parce que j'habite à la trifrontière. Non, mais. Sally, tu l'as vu? On entend roux derrière. Il va vouloir venir, il va pas être content. Ah, roux, tu vas pas être content parce que Tartampion est là. Pff, encore un futé, mais tellement. Mais tellement! Les gens, sauvez ce chat de la torture! Sauvez ce chat de la torture! Hop, je me remets correctement. Euh, J'en étais où, moi Oui, le nano. Donc, il va falloir finir. J'avais montré, on a bien progressé. Ouais, il reste que ça. Vous voyez tout ce petit passage-là de merde qui va encore nous faire 50 putains de mille mots Salut Catherine, comment vas-tu Ah, t'as loupé la séance de torture tartampion. Hein T'as loupé la séance de torture tartampion Regarde. Regarde la tartampion. Hein Bah ben oui, c'est un bon tartampion. Comment vas-tu, Catherine Oui, tu lâches tout à l'heure. On se encore. Le joli chat, bah oui, Tartampion cherche sa famille. Hein Le gentil Tartampion cherche sa famille. Et il est con. Hein Il est con. Hein Il est con, le Tartampion, hein Hein Vite, des gens venaient le sauver de la torture. Regardez comment je le torture. Regardez-moi ça, cette torture. Hein Hein Regardez-moi ça, vous ne pouvez pas le laisser ici, les gens! Regardez, regardez! Sa famille, venez le chercher ou alors devenez une nouvelle famille, j'en sais rien, moi! Il est gentil, il est très con. Hein. Je vais pousser mon clavier d'ordinateur parce que je sens qu'ils vont venir marcher dessus. Voilà! Est-ce que ça bidouille encore derrière Alors, donc, le point nano, c'est fait. Hein On a fini. Alléluia, Alléluia. Enfin, le nano est fini. Je vais continuer d'écrire, comme je disais, mais euh, je vais pas, je vais pas faire autant que ces derniers, euh, que bah, tout ce mois de novembre, parce que je suis HS. Fatality. D'ailleurs, je n'ai pas la commande Fatality. Même. Fatality. Si, Fatality. Donc il va falloir que je finisse, euh, finisse le Manus. On va y aller tranquille, doucement. Même au mois de décembre, là, continuer les lives le mardi. Tant, tant que faire se peut. Peut-être que les jeudis, j'essaierai de caser des soirées compotes. Parce que je vous rappelle, en soirée compote... Euh, on a encore l'arbre généalogique euh, enfin, des bâtards d'Henri IV à faire. D'ailleurs, l'arbre généalogique des Bourbons va bientôt arriver. Et je réfléchis pour peut-être entamer un autre arbre généalogique. Parce que j'avais kiffé ça, les soirées arbre généalogique. Donc je me disais que quand bien même je ne suivrai pas les arbres généalogiques des personnages de Chimère, hein, puisque c'est ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, euh, peut-être prendre la peine pour, euh, pour peut-être notre famille. Donc je ferai peut-être un vote sur Twitter euh, pour savoir à quelle famille je vais m'attaquer. Euh, J'avoue que j'étais peut-être pas contre de mettre un pied euh, chez les Montmorency, euh, pour la simple et bonne raison que bah, c'est assez intéressant quand on parle de Anne de Montmorency, donc c'est à l'époque François Ier, Henri II François Ier, euh, parce que du coup le mec il va avoir pas mal de, de morpions, qui va disséminer un petit peu partout, et euh, sans savoir, il y a des gens qui sont des moments aussi, euh, enfin, par les filles, hein, du coup, qui en sont. Euh, comme par exemple, euh, peut-être que vous le connaissez un peu, c'est l'amiral de Coligny. On en a parlé déjà ici de l'amiral de Coligny. Alors non, Sally, hein, c'est pas parce qu'il vient de Coligny à côté de chez nous, hein, quoique. Salut, Mini Clio. Quoique, quoique, faudrait il vérifier. Albert. 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 Albert le 5e mousquetaire. Le 5e. Je m'en lasserai jamais. Merci, Mini Clio. Donc, euh, voilà, l'amiral de Coligny est un neveu de de de, de, de Montmorency. Donc, un Montmorency. On n'oubliera pas que la bah, princesse de Condé, c'est Charlotte de Montmorency. Donc, on sait que Montmorency, ça va revenir. Hein. Donc, voilà, je pense qu'on va euh, triturer un peu, peut-être, cette famille-là. et j'en cherchais d'autres, j'en cherchais d'autres parce qu'il y en a qui sont intéressantes, alors il y en a une j'aurais bien la pu, voulu la travailler mais comme le but c'est de rester, au, de, de pas aller au dessus de François, enfin en, au dessus ou en dessous, hein, je sais pas comment vous voyez les choses euh, par rapport à François 1er parce que sinon après ça part complètement en cacahuète. Hein. Euh, quoi que je dis ça et... Chut. les filles qu'est-ce que vous faites les filles qui sont un peu anxieuses, non mais ça c'est ma bière tartampion euh, J'aurais bien voulu travailler peut-être un peu plus en profondeur la maison de Savoie. Parce qu'il y a des choses sympas dans la maison de Savoie. Hein. Comme, euh, bon, c'est l'époque François 1er et compagnie, mais il y a un mec il a été légitimé, et puis après sa famille l'a délégitimisé. Ouais, ouais. Tu peux légitimer par tes parents et ta belle famille, etc., peut te délégitimiser. Oui, si vous voulez. Donc, il y a aussi des choses sympas par là. Euh, bah, il y a les ducs de Montbazon, hein, les, les Rohan. Hein, les ducs de Rohan, la famille de Rons, qui est une grosse, grosse maison. Donc, il y aura aussi beaucoup de choses à papoter dessus. Oui, il y a les Montmorency-Laval. Hein, on parlait des Montmorency tout à l'heure. Est-ce que Montmorency-Laval, ça sonne à vos oreilles Au revoir, Tartampion. Est-ce que ça sonne à vos oreilles Alors, Sally, peut-être que toi, ça va sonner à tes oreilles, parce que j'ai du temps te bassiner avec ça pendant une période. Mais voilà, parce que fa la famille de Montmorency, c'est une très très vieille famille. Hein euh, faudra redemander à Wikipédia, mais ça fait un bon bout de temps qu'il est là. Sauvez-moi. Ouais, voilà. Tu sais de qui je parle quand je parle des Montmorency Laval. Hein Hein Parce que toi, tu as lu euh, la dame au hibou. D'ailleurs, Catherine, on se partageait pas. Euh, on se partage pas euh, dans Anthologie Monstre à toute vapeur. Si, si, Catherine. Si, si, Catherine, euh, c'est la nouvelle qui est dans Monstratus Vapeur, donc c'est un texte où j'étais avec toi, dis donc. Il y a longtemps. Des temps immémoriaux. Ouais. Allez, je vous fais le spoiler les moments en euh, c'est là où on va trouver Gilles de Rais. Donc, ouais, c'est quand même vachement vieux. Hein, puisque Gilles de Rais, c'est l'époque de Jeanne d'Arc. Donc moi j'ai pas envie d'aller tirer jusque-là. Et si si, euh, Gilles d'Oré, c'est pas le pelos du coin, hein Oui, Gilles d'Oré du cul. Enfin, en même temps, on parlait cul avec Gilles d'Oré. J'espère que tu aimes les enfants. Et bien cuit. Lui, ouais, Gilou. Oui, j'aime Gilou. Le personnage est fascinant. Ouais, j'aime les gens bizarres, hein J'aimerais éviter SVP. Alerte nounours. C'est ça <laughs> Donc voilà, non, mais euh, Gilles Dorette un personnage très intéressant, hein, qui a été un grand compagnon de Jeanne d'Arc et on va dire les dévoués à Jeanne d'Arc. Avant, enfin, avant qu'il tourne mal. Avant que ça parte en cacahuète, dirons-nous. Bref. Donc voilà, les Montmorency, c'est une grande famille hein, qui, qui se balade sur le remarque. Il a pété les plombs après sa mort. Et ouais. Après, il y a la légende et la réalité, hein. Euh... Parce que j'ai une super euh, biographie de Matai Kazaku qui fait quand même remarquer que sur les. De, fin, les seigneurs, même à ces époques-là, sur leur terre, ils font pas non plus n'importe quoi. Hein. Faut, pas, faut, pas, faut pas croire. Hein. Euh, le peuple a possibilité, en cas de sévice d'un de leurs euh, leur souverains, de remonter à plus haut, etc. Il dit, mais. On dit que Gilles d'Oreille a égorgé des centaines d'enfants, etc. Et il fait remarquer que finalement, aux alentours des châteaux incriminés, donc il euh, y a Tifoge... Euh, comment il s'appelle l'autre J'ai un trou. Bref, euh, finalement, à ces époques-là, il n'y a pas de disparition d'enfants euh, signalés. Il n'y a rien de cet ordre-là. Donc, je ne vais pas dire qu'il n'a pas buté de gamin c'est peut-être pas exagéré. Mais euh, voilà. C'est peut-être pas aussi costaud que ça. Une excuse, mais il l'a mal vécu. Alors, je pense que c'est un des facteurs déclenchants. Parce que Gilles Doré quand tu vois son enfance, clairement, c'était quelqu'un qui a été sur le fil toute sa vie. Il fallait juste le truc. Ouais, voilà. Mais... Euh... Ça reste quand même assez vague. Et euh, on, on, parce que en fait, s'il a été au tribunal, euh, c'est pour des raisons d'ordre ecclésiastique. En fait, c'est un tribunal ecclésiastique qui l'a jugé et pas un tribunal civil, si je peux me permettre. Ouais, voilà, à la limite. Mais ce qu'il faisait remarquer que dans les Staphor, c'est tifo. J'ai ah oh, putain, je trouve plus l'autre. C'est tifo. C'est lequel, le deuxième Je trouve plus. Ah. Oh. Oui, voilà, c'est plus pour euh, sorcellerie, euh, choses comme ça, qu'il a été euh, mis au tribunal. Et pas du tout pour euh, meurtre d'enfant, entre guillemets. Euh, voilà. Et euh, c'était il a fait ça, en fait, pour une recherche d'ordre, on va dire, financier. Parce qu'en fait, Gilles Doré, quand Donc, ses parents meurent, ils sont il est assez jeune. Et quand son grand-père décède, il va tout récupérer. Et en fait, ça devient l'un des seigneurs, au niveau des terres et de la fortune, les plus riches de France. Euh, il y en a qui laissera entendre qu'il était même plus riche que le roi. Donc, autant vous dire qu'il était, euh, qu était bien équipé. Euh, seulement, voilà, il va faire. Il va dilapider son argent hein, en, en diverses choses. Et en fait, euh, toutes ces pratiques de magie noire et compagnie, ça a été en fait des moyens de restituer sa, sa fortune. Et il faut savoir que l'une des personnes qui a un peu trammé dans les arrestations de Gilles de et tout ça, c'est son frère. Parce que oui, Gilles Doré a un frère. Je crois qu'il s'appelait René, son frère. Je suis plus sûre. Oh J'ai tellement plus de mémoire, c'est terrible. Euh, euh, voilà, son frère a marché là-dedans parce que forcément, en dilapidant la, la fortune familiale, euh, bah, c'est un. Non, non. Euh, Sablé. Lui, c'est Sablé qui s'appelait. Ah, oh, faut chercher. Attendez, on va regarder. On va regarder Gilles de Ray. On va regarder ses parents. <coughs> Il a un frère. J'allais dire Robert de Sablé, mais non. Oui, si. René de Ray. Et, euh... Et c'est seigneur de Sablé. Voilà, l'autre château, c'était Mache Cool. Voilà, René Drey. seigneur de Sablé, il me semble bien, bref, peu importe. Et euh, bah, en fait, le truc, c'est que Gilles Doré, il a eu qu'une seule fille. Il a eu qu'une fille. Donc, forcément, si les filles ne peuvent pas hériter, qui c'est qui récupère le, le pactole bah, C'est le frangin. Et quand le frangin, il voit tout son frère en train de dilapider fortune, terre, château et compagnie, bah, ça la fout mal. C'est con, hein. Donc voilà, tout ça pour dire que j'envisageais de travailler sur les Montmorency, mais probablement qu'on ne remontera pas, pas aussi loin, en fait. Parce que là, bah, c'est Jeanne d'Arc, la carte 100 ans. Moi, je ne remonte pas jusque-là, hein C'est dommage. Mais vous inquiétez pas, si on s'attaque, à la maison de Rohan et le duc de Montbazon et compagnie, on va s'éclater. Donc voilà, il faudrait que je fasse un petit, euh, un petit sondage. Euh... Je sais pas si on peut faire des sondages sur Discord, mais euh, sinon je les ferai su, sur Twitter. T'es pas sur Twitter, toi, Mini Clio, malheureusement. Parce que du coup, tu pourras pas voter. Pardon. C'est la bière. Donc écoutez, je réfléchis un peu. Et euh, c'est surtout que si je décide de faire un ordre arbre ar ar généalogique, il va falloir que je, je potasse. Ouais, loin du bleu. Ouais, t'as pas forcément tort. De toute façon, le pub bleu, tout le monde dit qu'il va se cracher la gueule, il va se, il va se, gueule, il va se faire bouffer, euh, Je sais pas par qui. Enfin, si, par Elon Musk, mais euh, j'ai pas envie de comparer Elon Musk à un chat, ça me fait chier. Donc bon. Ah, moi, de toute façon, je suis ailleurs. Hein. Twitter disparaît. Oh, faut pas Twitter disparaître. Hein. Tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Moi, je vais pas en mourir. Et pourtant, Dieu sait que j'y suis. Alors, on a parlé un peu du nano, on a parlé des chimères, hein j'ai Je suis vraiment à la fin. Ça, c'est... Enfin, à la fin. Non. Si. Enfin, oui, techniquement, oui, mais euh, il y en a encore pour un bon moment. Cette misère. J'arrive pas à croire qu'on parle de ce con ici, d'Elon Musk, mais bon. Deviendra-t-il la phénix Oh, il va mourir comme tout le monde à un moment donné. Hein. Euh, écoute, on meurt tous un jour. Il va bien mourir aussi. Au pire, on aura son souvenir. Au pire. Et voilà. Donc euh, bon. Nano, chimère, ça avance. Hein. Alors, on va être clair. Quand je vais avoir fini ma partie 1 hein, de chimère, je pense que je vais faire une petite pause en écriture. Euh, J'exclus pas de m'attaquer à un autre manus. Euh, pourquoi Enfin, autre manus. Euh, déjà, il y a les éditions de l'homme sans Nom qui, ré... qui ont réouvert leur soumission, là, jusqu'au 31 janvier 2023. J'aimerais bien leur soumettre la romance accro, donc euh, si je peux mettre un petit coup dessus... Euh... J'ai dit... envie de dire relire, mais euh, je suis pas sûre d'avoir le temps, mais... Euh... Je vais essayer de potasser pour leur soumettre, parce que la romance accro, c'est bien. C'est fun. C'est glauque. C'est du gothique forestier. Ouais, du gothique forestier. Vous avez vu comme je me la pète. <laughs> donc voilà, non, mais j'aime vraiment bien ce truc. Donc euh, on fera ça. Et euh, quand bien même, ça sera, euh, envoyer le manus, ça sera fait. J'aimerais peut-être bien essayer de taffer sur un autre manus. Euh, peut-être continuer la lieuse de métaux. J'aimerais bien faire le tome 4. Peut-être euh, reprendre Morveren et la Citadis ou pourquoi pas me lancer dans un nouveau projet. Hein. J'avoue que j'aimerais bien refaire un, un texte façon gothique forestier, gothique montagnard. Euh. Mais cette fois j'aimerais bien parler des ours. J'aimerais bien faire un truc avec des ours. Et j'ai toujours pas beauté petit cul d'ours. J'ai toujours pas... J <laughs> Ok, K... Ka... J'allais dire Kathleen. Pff. Au revoir, Catherine. Bon, live à toi aussi. À plus. Ouais, j'aimerais bien faire un truc avec des ours. C'est bien, les ours. D'ailleurs, on ne va pas se mentir, hein, dans tous mes textes, il y a toujours une allusion à un ours. Il faut toujours une allusion à un ours. Toujours. Euh, donc on fera ça, on fera peut-être ça, j'en sais rien. Euh, il faut voir aussi parce que euh, moi je travaille jusqu'au 6 février, donc est-ce que je vais me lancer dans quelque chose avant, j'en sais rien. Euh, on verra. On verra, on verra. De toute façon, je pense qu'à partir du 15 décembre, 15-20 décembre, euh, au niveau des lives, on va y aller mollo, hein, parce que de toute façon, ça va être les fêtes. Aux zone de la ville, pendant longtemps, il y a eu un ours insomnia qui hibernait pas. Bah, tu m'étonnes, euh, si, quand t'es dans un zoo, les ours, euh, ils ont de la bouffe, euh, ils ont tout ce qu'il faut, donc en fait, leur métabolisme a pas besoin de se caler sur l'hibernation. Après, je sais pas si c'était bon pour sa santé en général, mais voilà. Donc, j'aimerais bien faire un truc. J'ai quelques idées, mais c'est pas aussi gothique que je voudrais. Donc, il faut que je potasse ça. Euh, J'aurais bien voulu reprendre ma novella entre chien et loup aussi que j'avais écrit pour un appel à texte, il n'y a pas de nouvelles. Bon. Hum, si, il y a des... Oui, mais... Oui, mais il euh, bah, y a peut-être aussi ça. Écoute, peut-être parce qu'il avait senti le bon filon. Écoute... Euh... Alors après, oui, je dis pas que tous les ours n'hibernent pas hein, dans les os, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ou alors je me suis mal exprimée. Donc on verra, peut-être faire un truc d'ours. Ouais, mais il me faut une intrigue. C'est pas mal ça, dans une histoire une intrigue. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, J'ai peut-être déjà quelques idées de personnages, de relations entre personnages, mais il faut une intrigue. Et ça les intrigues, c'est quand même bien. Enfin je dis ça, euh, je dis ça, je dis rien. Hein, ça se trouve un récit sans intrigue, c'est bien aussi. Hein. C'est quoi un récit sans intrigue J'en sais foutre rien. En parlant d'intrigue, en parlant d'histoire, on va enchaîner sur le gros sujet de, qui va faire, à mon avis, une bonne partie de la soirée. Et oui, je suis sûre que vous l'avez deviné, on va parler de Diane de Poitiers. ta. ta, ta. Alors, pour ceux que ça intéresse, il hein, y a le. <coughs> Le secret d'histoire de Stéphane Bernd sur Diane de Poitiers, hein, qui est dispo sur YouTube. Hein, si jamais ça vous éclate. <coughs> oui, ça vous éclate. Hein Yep, t'es un peu de travers toi. Alors on va pas se le regarder, hein, parce que. Euh, on va avoir des problèmes. J'en suis sûre. Mais je tenais à vous faire partager un truc. Parce que je suis sûre, vous en rêviez. Vous aviez envie. Évidemment, je ne la trouve pas, alors que tout à l'heure, je l'ai trouvée. Si, là, vous en avez rêvé. on ben, serait bien passé. Alors, Diane de Poitiers. Alors, on va pas se mentir. Moi, Diane de Poitiers, j'y connaissais pas grand chose, hein Et oui, c'est comme ça. Des fois, dans la vie, on sait pas grand chose. Des accidents qui arrivent. Euh, je connaissais pas grand chose. Alors, j'en avais entendu un petit peu parler. Bon, parce que j'avais vu le Secret d'Histoire. On va pas se mentir. Et puis, bon. Ayant peut-être un petit peu potassé des trucs pour chimère, hein, euh, genre ce qui se passe avant l'après-quel, hein, évidemment. Euh, bah, évidemment, j'étais tombée dessus, et puis bon, comme je suis toujours à la recherche un peu de gonzesses à mettre en avant, bah forcément, tu tombes dessus. Mais voilà, ce que, euh, que j'en connaissais, c'était euh, Le secret d'histoire de Stephen Bern et Wikipédia. Voilà. Donc est arrivé le téléfilm que j'ai regardé avec attention. Alors. Quand j'ai regardé le téléfilm, je ne connaissais rien, comme j'ai dit, à part Stéphane Bern et euh, ce que j'avais lu sur Wikipédia. Donc, forcément, tout de suite, hein, c'est un petit peu limité. Donc, du coup, quand je regarde le truc, je peux pas dire, ah non, mais ça, ou ci, si, ou ça, ou bidule, ou truc muche, c'est un peu compliqué pour moi, hein, puisque j'ai pas les connaissances nécessaires. Euh, je sais que des camarades c'était déjà offusqué au niveau des costumes. Et il y aura sûrement matière à dire. Alors faudrait voir des costumiers. Hein. Je suis pas non plus spécialiste de la période, mais euh, les costumes, ça faisait cheap. Bon, Regardez-moi ça, Diane de Poitiers. Regardez un autre ex un extrait d'un. Il est où Regardez-moi ça. Bon, il y a sûrement des choses à dire, hein euh... Alors, je vais, pas, je vais pas vous dire là les costumes, ils sont d'époque, mais il y a quand même du travail, il y a un effort, il y a de la couleur.

The more you humiliate her publicly, the more you brazenly proclaim me your heart. Dear! I married Catherine. But I never promised to stop loving you. <coughs> <coughs> the superb you. Like any other two women who love the same man, they might as well have been there alone. The fierce, frustrated wife and the blonde. C'est bien à l'époque, il faisait quand même des efforts, hein! Faut que je chope ce film. Pour me faire plaisir. Faut pas charger les sangliers. Ah, Roger Moore! Ouais, faut que je voie. S'il y a Roger Moore, faut que je le chope. En plus, je suis sûre que ma mère voudra choper le film, <laughs> s'il y a Roger Moore. So c'est moi bien là d'un coup. Mais ils font que se rouler des galoches, bah c'est un peu le principe en fait. Non, mais la barbe, la barbe c'est mieux. Roger, remets ta barbe. <laughs> Bonjour, je suis Nostradamus. Je suis vachement discret. Sally, Nostradamus, Catherine de Médicis, no comment. No comment. Je te vois venir. power is god i could destroy you with a word yes you're magic suppose you were in my place i should kill you oh là là c'était beau les belles vieilles bandes annonces bref vous voyez il y a des couleurs il il y a un effort Là, dans le film, pff, mais effectivement, en fait, faire des costumes d'époque, ça coûte très cher maintenant. Évidemment, hein, recycler, il euh, faut, pas, faut pas compter. Hein, évidemment, entre les costumes d'opéra et les costumes de cinéma, il pourrait y avoir un effort de fait. Non Bon, ok, faut adapter aussi aux personnes qui portent, hein, ça peut se comprendre. Mais honnêtement, dans le, dans le téléfilm, c'est pauvre. Alors, avoir voulu donner un, genre, un code couleur, genre François 1er, il est en rouge, comme ça tu l'identifies. Euh, la duchesse des tempes euh, qui est en vert, en plus vert, la jalousie, gna gna gna. Voilà, c'est pas, pas forcément une mauvaise idée en soi. Je veux dire, c'est pas dérangeant. Mais les costumes font cheap, ils font pauvre. Oh, c'est. Euh... On sent les politiciens dans les vieux films, là, c'est plein. Ouais, j'ai presque envie de dire, t'as l'impression qu'ils ont fait ça avec du vieux cuir dégueulasse, euh, designé vachement de façon moderne, genre, on, fait de, du mo on prend de l'ancien, mais on fait un peu du moderne avec, voilà. Alors, je parle même pas des gardes qui, pour des raisons, à mon, à mon avis, euh, cheap, pour faire la cache-misère, parce qu'à mon avis, c'est toujours les mêmes mecs, ils ont des cagoules, des machins, t'es là... Euh... Voilà. J'ai envie de dire faire un côté. Euh... faire un côté euh... moderne dans les costumes. J'aurais dit pourquoi pas. Le problème c'est que comme tous les personnages essayent de parler à la mode ancienne, t'es pas dans le mood genre. Euh... genre adaptation euh... moderne, fut... presque futuriste de quelque chose, tu vois. Ça fonctionne pas. Puis. Il faut qu'ils arrêtent le cinéma français, qui font des films d'époque, de vouloir faire parler, genre, 16e, 15e siècle. Il y a un moment, ça te sort par les trous de nez, quoi. Parce que le phrasé, il est pas... En fait, le phrasé est pas naturel. Parce qu'on parle pas maintenant de la même manière qu'au 16e. Ils, ils essayent d'adapter, et je trouve que ça fonctionne pas. J'ai horreur, j'ai horreur de ça. Alors, évidemment, euh, la question, c'est pas de leur faire dire ouais, « Wesh, gros hein, !» C'est pas, pas ça, la question. C'est pas le but. Mais voilà, faire du phrasé élégant avec du vocabulaire peut-être plus élevé mais arrêtez de vouloir faire c'est insupportable donc voilà au niveau des costumes franchement tu, tu pas ça marche pas c'est pas c'est pas intéressant et on va on va pas se mentir à mon avis dans ce téléfilm, ils ont mis tout le budget dans les dans les dans les cachets des, des acteurs parce qu'il y a un autre truc aussi que moi j'ai fait attention et Peut-être pas vous. Mais quand il y a les décors. Mais les décors, à part un ou deux, trois, un ou deux trucs près, parce que c'était fait exprès. Mais c'est d'une pauvreté. C'est pauvre. Et puis, enfin, tout est noir. Alors évidemment, je ne dis pas que dans les châteaux, tout était tellement lumineux. Parce que, euh, voilà, c'est des châteaux, il n'y a pas d'électricité, etc. Mais, peut-être dans du cinéma, il y a un moment, si c'est pas la nuit, essaye de faire un semblant de lumière. C'est hyper sombre, ça marche pas. Et puis, c'est pauvre, les décors sont pauvres. Il y avait de la couleur à l'époque. Oui, mais quand je dis que c'est pauvre, il faut regarder les murs. Les murs, c'est de la pierre brute. À l'époque, tu as, des tapisseries. as des, des tapisseries, beaucoup de tapisseries, des tableaux, c'est flashy. Il faut montrer ta puissance, il faut montrer que tu es de la richesse. Là, il y a quand même un. Je sais, je sais pas où ils ont tourné, donc je, je veux pas accuser, parce que la gestion des monuments, ça peut être compliqué. Mais à un moment, ils sont dans un lieu, le mur, il est brut. En plus, tu vois que le mur est, enfin, est vieux et pas, pas été rénové depuis fort longtemps. Au point qu'en fait, en bas des murs, t'as l'impression de voir l'humidité remonter avec cette espèce de, de, de mousse, ce mousse lichen verte qu'on trouve. Mais tu fais, mais. Il n'y avait pas moyen de cacher ça. T'as l'impression qu'ils sont dans des bâtiments de pauvres. C'est vide. Il n'y a pas de meubles. Alors il y a quelques scènes, évidemment, dans la chambre de... Jeu. Quand on vous montre la chambre de Diane de Poitiers, t'as des trucs. Mais t'as des endroits, mais c'est pauvre. C'est vide. Il y a rien. Oh, mais quelle misère. Le pire, mais le tournoi. Enfin, les deux tournois. Hein, celui... Euh du premier épisode et sur... Bon, celui du de deuxième où Henri II se prend, euh, se prend un pépin dans l'œil. Euh, autre chose, mais... faut regarder le, pre le premier... Euh... D'ailleurs, tu sens qu'ils ont dû tout tourner en même temps, hein euh... Mais... Mais c'est d'une pauvreté Tu fais, c'est un tournoi euh, Le tournoi de, le, de dans le deuxième où Henri II prend, on prend ça dans l'œil, c'est parce qu'il marie ses enfants... Il euh, y a des mariages mais il n'y a personne! C'est pauvre! Il n'y a pas de spectateurs! T'as l'impression que les mecs, ils font, ils font un tournoi! Euh, euh, même au mariage de mes copines, il y avait plus de monde! Il n'y a personne! Il n'y a pas de figurants! Il n'y a pas de grandiose! Attendez, on n'a pas un exemple avec. Attendez, Ivanoé! Ivanoé! J'ai écrit ça n'importe comment! Euh, Noé là! Regardez! Regardez! On est dans un tournoi! Alors, c'est pas exactement le même, puisque François 1er, enfin, euh, Henri II, tout ça, euh, c'est de la joute. Là, on est sur un tournoi différent, mais. Euh, voilà, on voit que c'est filmé avec de la merde, mais c'est pas grave, hein. Ah, attendez, j'en ai un autre! Moi, je dis ça. Non, là, il n'y a personne aussi. On va remettre l'autre. Mais regardez, il y a des gens. Il y a du décor. T'as l'impression que c'est vivant. Alors, je sais que c'est critiquable le Moyen-Âge comme ça, mais je préfère ce Moyen-Âge-là que l'espèce de truc noir, sombre, dégueulasse qu'on voit tout le temps. Hein. Regardez, il y a du monde. Alors. On est d'accord. Là, on est sur un film, on est sur les grandes. Euh, la grande période d'apparat du cinéma hollywoodien, etc., etc. Il y a du budget. Je veux bien croire que dans un téléfilm, euh, niveau budget, il soit beaucoup plus pauvre. Hein. Il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là. Hein. Je ne veux pas non plus euh, dire. Mais quand même. Euh, je ne sais pas. Attendez. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Euh, hein. Et non, on va pas réussir à la voir le, le côté tournoi. Mais c'est vachement con, hein. C'est vachement con, mais. En fait, comme ta personne, ça fait pauvre, ça fait cheap et c'est pas crédible. Euh, je veux dire, on est à la cour de François Ier, bordel. Alors, soit on nous a menti sur François Ier, hein, ce qui serait pas étonnant, roman national, etc. Mais tu fais quand tu regardes ce téléfilm, François Ier, c'est quand même le mec qui s'est pris le chou avec Charles Quint toute sa vie. Charles Quint, c'est quand même le mec qui domine, entre guillemets, l'Europe, hein puisqu'il a l'Espagne, il fait chier en Italie, et il a tout l'Empire des Habsbourg. Le mec, c'est un putain de bolos. Tu vois François Ier à côté, tu fais, mais pourquoi Charles Quint, il s'est tant occupé de François Ier T'as l'impression que d'une pichenette, François Ier, c'est fini, quoi. Ouais, mais voilà, mais il n'y a pas eu d'effort, donc ouais, ça fait, ça fait super pauvre, hein. Euh... Ça fait être pauvre, donc du coup, ça fait pas crédible en fait. Parce que oui. Ah oui, François Ier, mais. En fait, quand tu regardes ce film, tu fais. Bah ouais, heureusement que François Ier, il a compté sur qui est euh, européen à cette époque-là. Parce que c'est pas le téléfilm qui te l'a fait penser, hein. Et puis, de toute façon, François Ier, c'est clair. Tu commences le truc, t'as la duchesse des tempes. De toute façon, le roi, il fait tout ce que je lui dis. Et à partir de ce moment-là. Puis, François Ier, il réplique pas, tu vois, derrière, il pourrait dire. Oh, euh, Mamie, ça va, doucement, pour ce qui est peut-être des parures, des bijoux, oui, mais c'est moi qui dirige là. France, tu vois, t'aurais pu avoir une réplique, une punchline en disant, vas-y doucement, cocotte, il y a un moment, faut pas déconner. Ah non, il regarde faire comme un gros con. Donc t'es là, mais c'est François 1 le mec ou c'est une merde Ah bah je pense que c'est plus une merde. Et tu te demandes pourquoi Charles il s'est pris la tête avec lui, quoi. Mais bon, c'est pas pour tacler le casting. Mais on voit bien que dans le casting, c'est tout, tout ce petit microcosme euh, parisien, euh, etc. Hein, euh, ça ça ne ça fonctionne pas, ça ne marche pas. Il euh... y a tellement rien qui va dans ce truc. Il y a tellement rien qui va dans ce truc. Et on n'a pas encore abordé Diane de Poitiers en elle-même. Hein euh, parce qu'au-delà de Diane de Poitiers, il y a encore un autre problème monstrueux dans ce téléfilm. C'est quoi l'histoire C'est quoi l'enjeu C'est quoi le but Alors, je suis d'accord. Peut-être que le but, c'était de faire une biographie. Donc, l'argent. Mais même pas mais, Ah oui, l'argent. Euh, je ne sais pas lequel argent, hein, mais... Euh, parce que, voilà... Euh, tu fais, mais... Et, et, si le but, c'était de faire, genre, la romance entre Henri II et Diane de Poitiers... Euh... Ouais... Euh, pff, Bon, j'ai envie de dire, on va lui donner une qualité à ce truc. Il n'y a pas forcément de sexe. Alors, il y a un plan fesse sur les fesses d'Isabella Gianni qui est très léger. Mais j'ai envie de dire, c'est le seul truc. Mais... Voilà. Rendons à César ce qui est à César. On n'a pas un téléfilm avec du cul gratuit toutes les 5 minutes. Pourtant, il y, y avait de quoi faire. Donc, au moins... On va dire ça de bien en téléfilm. Mais voilà, le problème c'est que quand tu regardes le téléfilm, tu fais, oui, ça raconte la vie de Diane de Poitiers, mais que tu écrives une biographie ou quelque chose, ils te font une ligne conductrice, ils te font des enjeux. En plus, là, tu as deux épisodes, donc il y a bien un moment, il faut qu'il y ait quelque chose qui joue. Mais en fait, tu sais pas... Tu sais, c'est quoi le but Je veux dire, à ce moment-là, euh, honnêtement, les gens regardaient le secret d'histoire de Stéphane Bern. Hein euh, au moins, les secrets d'histoire de Stéphane Bern, euh, on te montre des tableaux, on te montre des châteaux. Euh... Pardon. Voilà, moi, j'ai envie de dire, tu découvres des choses. Hein. Alors, même si c'est très arrangé, hein, euh, très tiré par les cheveux des fois, et des fois carrément putaclic, j'ai envie de dire, mais les gens regardaient le Stéphane Bern. Hein. Et c'est moi qui dis ça. Hein. Hein Quand tu te dis qu'il faut mieux regarder un téléfilm d'une réalisatrice censée être féministe. Enfin, vaut mieux regarder Stéphane Bern, tu, 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 tu sens que déjà ça ça, ça part en nom de boudin. Hein euh, donc voilà. Et en fait, ouais, il n'y a pas d'enjeu. Enfin, le seul à moment où j'ai frissonné, bah en fait, c'est au moment du tournoi. Parce que tu sais qu'Henri. Enfin, moi je connais. Donc tu sais qu'Henri II, il va se prendre son écharpe dans le nez et qu'il va mettre dix jours à crever comme un chien, le pauvre homme, quoi. Oh, le pauvre. Mais quelle horreur. Donc forcément, tu sais que ça va arriver, mais t'as mal pour lui, quoi. En plus, c'est expliqué. Ah, ils font trois tours. Alors, toi, tu vois le premier tour, et t'es là. Oh Comment ça, il s'est pas pris le truc Et voilà. Et tu sens que ça va arriver. Tu sens qu'il va se prendre l'écharde. Et toi, t'as mal. Tu as mal pour lui. Mais voilà, c'est parce que tu t'imagines de te prendre une écharpe comme ça, qui te rentre dans l'œil là, et qui, à mon avis, allé jusqu'au cerveau. Non, mais voilà, le, le, le... Henri II, il... ah. Voilà, t'as des rois qui meurent dans leur lit parce qu'ils sont malades, mais voilà, lui il s'est pris une putain d'écharde de merde dans l'œil quoi. Il dit une écharde, un tisonnier, ouais. Euh... Donc voilà, et en plus, euh, en fait c'est un de ces, j'ai envie de dire un de ces capitaines, je sais pas exactement son titre, euh... le chef de sa garde écossaise Montgomery. Et en fait, tu le vois Montgomery pendant tout le film. Alors, il est facile à repérer Montgomery dans le film, c'est l'écossais. Il porte un kilt. Je sais pas si à l'époque, déjà, il portait des kilts, mais bon, voilà. J'ai envie de dire, s'il y a que ça, hein. euh... Voilà. Et t'aurais pu te dire, mais tu vois, là, il y avait moyen de faire un truc prenant. Tu te dis, putain, c'est peut-être son meilleur pote qui lui fout le truc dans l'œil. Mais en fait, la relation, elle est pas super bien construite. Donc, finalement, tu t'en tamponnes. Euh... Je trouve que les relations Diane de Poitiers-Catherine de Médicis, en fait, tu sais pas sur quel pied danser. Parce que. Parce qu'on va arriver à Diane de Poitiers à un moment. Donc, c'est ça le problème. Hein. Bon, que Henri II, il aime il aime Diane de Poitiers, ça, pff, pourquoi pas, hein, je veux dire, elle a 20 ans de plus que lui. Euh... Mais bon. On, on va dire, on s'en fout, hein. Euh, L'amour rend aveugle. Mais bon. On en a déjà parlé ici. On va être obligé d'en reparler, mais. T'expliquer que Catherine de Médicis, elle est moche. Moi, je veux bien, vous dites qu'elle est moche, mais prenez une actrice moche, enfin où on l'a dit, c'est une actrice. J'en sais rien moi, mais il y a un petit moment, euh, il faut. Euh, tu peux pas, euh, je sais pas. Euh, c'est comme, euh, euh, je vais pas dire Lolo Ferrari parce que c'était pas beau, mais voilà, tu prends, euh, tu prends la femme qui a eu la plus belle du monde et tu la mets dans un film et tu dis cette femme est laide. Bonjour, Toto. Ça va, ma Toto Voilà, donc c'est pas crédible. Donc du coup, quand t'es là, t'as envie de... Non, j'ai pas couché avec elle, elle est trop moche. Et que t'as France en premier. Allez, si, fais un effort. Euh, c'est pas grave si elle est pas très belle. Euh... Non, mais voilà, je, je veux dire, c'est pas comme si euh, on disait... Euh, tu vois, ma fille, il faut que tu couches avec cet homme. Et que cet homme, c'est Gérard Depardieu. Là, tu fais effectivement, oui, je veux pas coucher avec Gérard Depardieu parce qu'il est moche. Tu le comprends là, c'est pertinent, c'est normal. Mais là, tu mets Gérard Depardieu et tu mets le petit acteur, enfin le petit acteur, ça se trouve il est pas si petit que ça. Tu mets le mec qui, qui joue Henri II et là tu fais, non mais je veux pas coucher avec Henri II, il est trop moche et à ta côté t'as Gérard Depardieu quoi. Allez pour la France, euh, je peux changer de nationalité. Non mais voilà, il y a une erreur de casting, clairement. Enfin, pas forcément une erreur de casting. Je veux dire, l'actrice qui joue Catherine de Médicis, elle est pas mauvaise en soi, mais en fait c'est la représentation qu'elle donne qui n'est pas bonne. Donc je veux pas blâmer cette actrice, hein. franchement c'est pas sa faute. Hein. Je veux dire si bien maquillée, bien coiffée, etc. Elle est super belle et si elle est belle au naturel, j'ai envie de dire tant mieux. Enfin tant mieux heureusement hein, parce que on va pas se mentir, hein, quand on est beau ça marche mieux dans la vie pour nous. Mais voilà, tu, tu peux pas la présenter comme moche quoi. Il y a un moment euh, putain mais les gens ont arrêté de fumer quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, et on n'a toujours pas parlé de Catherine, de, de Catherine, de Diane de Poitiers, on n'a toujours pas parlé de Diane de Poitiers. Donc voilà, tu sais pas, euh, évidemment il y a quelque chose qui est assez compliqué dans le téléfilm, et que ça a été pris avec des pincettes, et je pense que c'est pas pour rien, mais Henri II, François Ier, c'est les premiers affrontements entre catholiques et protestants. Alors, on n'est pas encore sur la, la grosse guerre de religion, je crois pas, je suis pas sûre, mais je crois pas, mais voilà, il y a quelque chose. Hein Et soit euh, il fallait choisir d'affronter le truc, je veux dire, de manière frontale, soit ne pas l'aborder du tout. Parce que du coup, des fois, tu as des petites pointes de trucs protestants assez costauds qui se baladent, mais toi, t'es là... Euh... Je veux dire, cette scène où t'as un protestant qui vient, un peu qui vient chier dans la gueule de, 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 de Diane de Poitiers, en sachant que... J'ai presque envie de dire, elle aurait cherché à ce moment-là, hein, c'est dégueulasse, mais... Tu fais, mais pourquoi le mec il lui chie à la gueule comme ça, tu vois euh, Est-ce que c'est parce que... Tu, 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 tu vois, t'as pas ce conflit. D'autant plus qu'on sait que Marguerite de Navarre, donc la sœur de François Ier, elle était plutôt proche des protestants et plutôt favorable. D'ailleurs, sa fille Jeanne d'Albret va être une des chefs du, du parti protestant. Donc voilà, il y a quelque chose qui a pas été mené, là. Ah oui, ça me fait penser, du coup, à Catherine de Médicis qui se balade avec les gants rouges. Alors les gants rouges, on pourrait dire oui, ça renvoie à François 1er parce que c'est lui qui l'a voulu, hein, mais euh, les gants rouges, quoi. Un peu de subtilité, les gens. Catherine de Médicis, celle qu'on va juger responsable de la Saint-Barthélemy, qui se balade tout le truc avec des putains de gants rouges. Voilà. D'ailleurs, il y a un truc aussi qui, est, qui, qui, qui manque. Euh, donc le téléfilm voilà, et bon ben Catherine de Médicis, oui, elle a mis trois plombes à avoir des gamins avec Henri II. Hein, donc évidemment, euh, qu'est-ce qui se passe Alors, peut-être que Henri II couchait pas assez avec sa femme, hein, mais il y avait le problème de qu'est-ce qui se passe Et là, dans le téléfilm, il est question de la répudier. bah oui, elle donne pas d'enfants à la France, faut s'en débarrasser. Et euh, ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment, t'as François Ier qui vient un peu lui rentrer dedans, euh, genre ça fait ça que vous êtes mariés, il y a toujours rien, gna, 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 gna. tu vois, il lui fait du rentrer dedans, genre. Et je crois que c'est même lui qui lui sous-entend qu'on pourrait la renvoyer en, en Italie. Et puis une autre scène plus loin, après que Henri II ait eu son premier enfant avec une autre, hein, on va en reparler de ça aussi. Euh, donc il vient, euh, elle va voir le roi et le roi dit non mais je vous aime bien, je vais pas vous envoyer en Italie. Il euh, euh, y a trois scènes avant, t'étais sur le point de t'en débarrasser toi-même. Tu fais pourquoi ce revirement quoi D'autant plus que la première fois qu'il vient lui faire du rentre dedans, euh, bah en fait on sait pas qui de elle ou de Henri pose problème. Parce que ça pourrait être Henri. Sauf que là, euh, lors de la deuxième sieste où, où, euh, où François Ier lui dit non, on va pas vous en envoyer en Italie, vous inquiétez pas. Bah, Henri II, il a prouvé qu'il n'était pas stérile. Donc, euh, évidemment, euh, tu fais pourquoi Pourquoi C'est pas cohérent, c'est pas pertinent. Il n'y a pas d'explication. Je suis sûr qu'en réalité, il devrait y en avoir une. Hein. Donc, il ne donne pas de contexte, les voix off, c'est bien aussi. Ça peut, hein euh, Rien que pour des localisations peut-être euh, temporelles, etc. Mais euh, voilà, donc, il n'y a pas. Et oui, on va en revenir sur ça. Henri II, ses problèmes de quéquette. Oui, on va parler Kekette. Si quelqu'un veut balancer un titre, hein, là, parce que oui, on va parler Kekette. Alors, parce que pour le coup, il semblerait que si Henri et Catherine... Oh, Merci, là, là. Euh, Si Henri II et Catherine de Médicis ont eu trois plombes à mettre dans l'enfant, c'est pas la faute de Catherine, c'est la faute de Henri, pour le coup. Alors, le problème de Henry. Alors, je vais vous retrouver ça, hein, parce que... Par contre, je ne vais pas vous montrer les images d'illustration, euh, parce que je vais me faire censurer par Twitch, et je pense que YouTube ne sera pas du tout... Du tout content. Hein Alors... On va retrouver ça. Alors, les, affa les affaires de dans d'Ori 2. Euh... Alors, attendez, je vais retrouver ça. J'ai dû chercher avant, mais. J'avais espoir qu'on arrive à échapper aux histoires de Kékette, mais. Les histoires de Kékette. Euh... Alors peut-être que si je cherche sur Catherine de Médicis, je trouverai mieux, parce que du coup, chez les nanas, ils aiment bien parler des affaires de Kékette, hein, plutôt. Ils vont mettre 10 ans avant d'avoir le premier, donc. Euh... Alors. Euh... Euh. Gna gna. Putain, je retrouve pas. On va demander à Google le problème de kékette. On va retrouver, j'avais déjà cherché, hein. Ah, c'est bien. Tu demandes à Google, Google te trouve tout. Alors, je je suis pas sur n'importe quel site, hein. Je suis sur le site du CHU de Nantes. Donc, je vais vous expliquer les problèmes de cacahuètes de Henri II. Alors, il semblerait que Henri II ait eu ce qu'on appelle une hypo... hypospadia. Alors, qu'est-ce que c'est une hypospadia Pour faire simple, bon, en théorie, tout le monde est majeur et tout le monde sait à peu près ressemble à quoi, à quoi ressemble un pénis. Même si on ne connaît pas trop les hommes, on sait que pour faire pipi et pour éjaculer, il y a l'urètre qui donne au bout du pénis, au niveau du gland. Oui, on est sur l'histoire de glandule là, c'est terrible. Alors, quand on a une hypospadia, en fait le petit trou, il n'est pas au bout du gland. Il est euh, comment expliquer dessous. Donc forcément bah oui, forcément quand tu veux faire du rentre dedans à une madame. Bah peut-être que ton pénis y rentre, mais le petit trou pour euh, envoyer ton sperme, lui, il rentre peut-être pas dans la madame. Ce qui peut être un petit peu embêtant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il semblerait que Henri II ait eu ce petit problème. Alors, petit problème qu'il a réussi à... à à braver une première fois quand il a eu sa première fille. Hein, euh, on va en parler de ça parce que dans le film, dans le téléfilm, euh, ça craint vachement du boudin, ça craint du cul de sa mère. Euh, voilà. Et apparemment, j'ai lu quelque part qu'il aurait été opéré. Alors comment, de quoi, comment, j'en sais rien. Et que, bah, après ça, bah bizarrement, il va faire des bébés avec Catherine de Médicis. Le viseur n'est pas au bon endroit. Ouais, voilà. Donc, si tu comptes qu'ils ne ils passaient peut-être pas tant de, de, de sacs à s'envoyer en l'air. Donc tu comptes que. Déjà, quand tu t'envoies en l'air, avec, on va dire, de la fertilité standard. Euh, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, hein, l'Église catholique euh, signale qu'il y a des jours où il ne faut pas s'envoyer en l'air. Donc autant vous dire qu'on n'est pas censé beaucoup s'envoyer en l'air à l'époque. Alors je ne sais pas si tout le monde respecte, mais voilà. Comme eux, ce sont des bons catholiques, à les savoir. Donc déjà, on va dire qu'ils ne s'envoient pas en l'air tous les soirs. Donc plus ils ne s'envoient pas en l'air tous les soirs, plus il faut s'envoyer en l'air au bon moment, etc. Effectivement, ça diminue les possibilités, mais en plus effectivement aussi, comme tu le dis si bien, Miniclio, le viseur n'est pas au bon endroit. Et voilà. Parce que quand je dis que le trou, hein, il peut être euh, n'importe enfin, où le, lo le, le long de la verge en fait, dessous. C'est dommage, je ne peux pas vous montrer l'illustration euh, du CHU de... Bon, ce que je vais faire, je vais vous mettre le lien si vous voulez regarder hein, plus exactement. Hein, moi, je ne peux pas vous montrer sinon je vais avoir des problèmes. Et voilà, donc c'est sûr que le, vi le viseur, s'il est super mal placé, t'es dans la merde. Tu es dans la merde. Donc, ce qui explique probablement que pour une fois, alors, c'était pas forcément une question de stérilité pour le coup, mais euh, des petits problèmes technique, Parce qu'une fois que Catherine de Médicis va, va commencer à en faire, ça va y aller. Et si lui, il a été opéré et qu'il y a eu peut-être rectification, alors certains disent aussi parce qu'ils auraient changé de position. Parce que bon, à l'époque, on va pas se mentir, à la position, il euh, y en a pas 50 000, hein, monsieur sur madame, hein. Alors peut-être pour des gens un peu plus expérimentés, Madame sur Monsieur, je sais pas, je ne connais pas du tout la sexualité, les pratiques sexuelles de l'époque. Effectivement, c'est mal placé, ben ouais. Alors si tu te dis c'est pas tout au bout, au niveau du gland, tu fais bon c'est pas grave, tu vois, on voit sur le dessin qu'il y a vraiment, enfin à la bordure, à la couronne du gland, là tu fais ça peut passer, mais tu vois a, tu vois clairement qu'il y a des orifices, il euh, y en a qui sont carrément à la, à la limite de la, des, testi des testicules et du pénis. Là, tu fais, c'est foutu, quoi. Voilà. Et visiblement, on aurait conseillé à Henri II de prendre Catherine de Médicis en position de levrette. Alors, je vois pas pourquoi la position de levrette aurait été plus efficace pour faire un enfant compte tenu de la mal. Euh... La malformation, hein. Donc bon. Écoute. On ne va pas savoir. Bon. Les problèmes de Keket dans d'Henri II. Donc... L'inclinaison des organes. Peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout expert. Il faudrait demander à un sexologue, en fait. Enfin, un sexologue, un médecin, et je ne suis ni l'un ni l'autre. Donc... Revenons sur l'histoire de Kékette. Donc dans le téléfilm, évidemment, je trouve que l'histoire de Kékette ne sont pas assez abordées. Hein. Parce que... Ah eh oui, vous n'avez pas d'enfant. Il s'est passé combien de temps depuis qu'ils sont mariés Ah, 5 ans Ah, bah pardon, j'avais pas vu qu'il y avait 5 ans qui s'étaient passés. Hein. Donc, t'as un vrai problème de temporalité. Et euh, bon, il faut savoir que François 1er et Henri II, ils s'entendaient pas. Ouais, on va la faire simple, on va l'abréger. Et euh, un jour, euh, bah, François 1 dit Tu me fais chier, va, va te faire voir en Italie. Donc, il envoie Henri II se faire voir en Italie. Et ça tombe bien, parce qu'en Italie, euh, bah, Henri II est allé voir quelqu'un. Enfin, aller voir quelqu'un. Donc en fait, c'est un moment de ces gardes d'Italie, grosso merdo, qui va avoir sa première fille, hein, qui s'appelle Diane de France. Diane. Hein à faire des blagues pourries, enfin bref. Avec une certaine fille qui s'appelait Filippa Ducci. Visiblement, c'est une, une petite noblesse italienne, etc. Euh, voilà. Alors le problème dans le téléfilm, c'est que tu comprends que cette euh, Filippa Ducci et Henri II, c'est pas une histoire d'amour leur affaire. Puisque. Euh, quand, clairement, Henri II, il demande. Euh, ouais, machin, achète, euh, je sais pas quoi, à la jeune fille. Tu comprends qu'il s'endort, il se réveille, mais elle est où la meuf Bah, elle est partie. Et il est là. Quoi Mais t'avais pas compris que euh, c'était la fille que je voulais euh, gna, gna. Et euh, voilà, t'as l'autre qui va le chercher Bah, c'est Montgomery qui va le chercher, c'est son garde écossais. Et il ramène la fille baïonnée. Comment te dire qu'après, quand on t'explique qu'ils qu qu ont fait un enfant. Comment te dire que cet enfant, à mon avis, n'était pas consenti du côté, de ce côté-là hein. Donc, tu fais, ça craint quand même vachement du cul. Ouais. Ça craint un petit peu du boudin. Donc, bon. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu craignos. Hein, euh... Donc voilà, tout ça. Les histoires de kékettes d'Henri. Euh... d'Henri II pour dire que, bah, grosso modo, il t'explique que la première fille qu'il a eue, c'est parce qu'il en a violé une. Super, mais allez, euh, bravo, hein. Euh... Ah, bravo, Chosé d'Aillon, hein. Euh... Voilà. Bon. On n'a toujours pas parlé de Diane de Poitiers On va peut-être l'attaquer, Diane de Poitiers. Ah, uh, Diane de Poitiers dans ce téléfilm. Alors, je m'attendais pas. Enfin. En fait, le problème de Diane de Poitiers... Alors, déjà le fait, outre le fait qu'Ijabella Jenny a l'air d'un à, à, passe son téléfilm à avoir l'air d'un chien battu, hein oh, Toujours à susurrer. là, comme ça. Oh mon Dieu, je suis triste. Hein. Oh, puis il faudrait pas qu'on m'entende. Hein. Oh, puis j'ai l'air malheureux, si vous saviez. Donc c'est super pénible. Et en fait le personnage, il n'est pas cohérent. Parce que dans toute la première partie, tu as l'impression d'avoir une chouinarde. Mais ça aurait pu être quelqu'un, euh, je veux dire, émotionnellement sensible. Pourquoi pas Mais en fait quand tu arrives dans la, la partie 2, euh, tu as toujours ce côté chouinard. Mais de temps en temps, pour des raisons que tu comprends pas. Euh, T'as l'impression qu'elle pète plus que son cul que tout d'un coup euh, Madame se la joue, se la pète. Alors oui, moi je suis ni ni ni. Et puis après oh, elle reprend ses petits airs de chien battu. Oh mais non, le personnage est pas cohérent. On comprend pas non plus ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Hein euh, Tu fais bon. Ça aurait pu se limiter. Elle ce qu'elle veut c'est Henri II. Bon Henri II il est roi de France, il faut qu'il fasse des bébés à sa femme. Ah oui, mais répudier Catherine de Médicis, qui est pas très belle, c'est pas le bon plan, parce qu'il pourrait prendre une plus jeune et une plus jolie. Puis du coup, moi, il va me délaisser. Donc en fait, il faut mieux que je le pousse vers Catherine et qu'il reste avec Catherine. Tu vois, il y aurait pu y avoir tout un jeu un peu malsain sur justement Diane de Poitiers qui veut rester avec Henri II, mais qui a peur de le perdre. Mais. qui a peur de le perdre par amour et pas par position sociale ou n'importe quoi. Mais non. Bon, je parle même pas de la guerre avec euh, la duchesse d'Étampes Anne de Pisleu. Euh, ou pour le coup, c'est même pas un combat de quéquette, quoi. C'est presque un combat de verre, quoi. Mais t'es là. Euh... C'est d'autant plus d'autant plus relou que. Enfin. Tant qu'Henri II n'est pas, do... pas l'héritier, puisque c'était le deuxième, il hein, y son frère qui est mort avant. Mais tant qu'Henri II n'est pas le. On va dire pas l'héritier. Oui, que Anne de Pisseleu chie un peu dans la bouche de... de Diane de Poitiers, pourquoi pas. Mais à partir du moment où Henri va prendre le trône. Euh... Moi j'aurais été la duchette d'Étampes, bah eh ben, ouais, je me serais un peu pliée, parce qu'une fois qu'il sera plus là, il serait plus là François Ier, qu'est-ce qu'elle allait faire cette con hein C'est ça en fait qu'en plus les téléfilms, ils n'arrivent pas, pas à mettre en avant. C'est qu'en fait ces nanas, elles ont beau être les maîtresses, les adulées, les machins. Bah ben ouais, mais au final, quand le, le compagnon disparaît, elles se retrouvent comme des cons, à ah, la merci Et t'as pas l'impression que ces nanas, elles anticipent ces choses-là. Alors. Que Diane de Poitiers, n'anticipe pas avec Henri II, parce qu'effectivement, mourir à 42 ans, parce que tu prends une écharpe dans l'œil, pardon, c'est quand même compliqué à prévoir. Mais François Ier, il allait bien mourir à un moment. Puisque visiblement, Anne de Pisleux, certains disent qu'elle a 18 ans quand François Ier la, la rencontre. Mais enfin, François Ier, il ne va pas vivre éternellement non plus. Il est beaucoup vieux. Donc, il, il, il y a des comportements, des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, en fait, dans ces, dans ces trucs, hein. Oui, il y a plein de choses. Euh, il y a, bon, elle n'a pas un grand rôle, mais d'ailleurs, ça, c'est aussi un problème. Euh, elle, est au notre... elle est au nord de Watsbourg. Donc, c'est la sœur de Quint qui épouse euh, en seconde danse, également les secondes noces de François Ier. Elle épouse François Ier pour conclure la paix avec... Euh... Mais, honnêtement, François Ier il meurt. On ne sait même pas ce qu'elle devient. Et encore, on sait ce que va devenir la chez des mais qu'est-ce que fait l'honneur de watsbourg On ne sait pas. Bah, moi je sais qu'elle retourne, en... retourne en Espagne ou je sais pas où elle se qui va. Mais en fait t'as des personnages qui sont là, pff, tu sais pas à quoi ils sert Joe et Star dans le truc. Tu sais pas, tu sais pas. Ah là là, euh, j'ai une dent contre François 1er et puis euh, ah bah je vais comploter pour euh, défigurer euh, Diane Poitiers. Ah mais finalement, je vais pas, je veux pas, pas parce que ah je me rends compte que c'est la duchesse des Temps qui veut que je fasse ça et ça fait une guerre, euh, ça fait une guerre de gonzesse et je veux... Il sert à rien de Joy Star dans, dans, dans ce film. Je comprends pas qu'est-ce qu'il y a foot là en fait. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. C'est... Euh... Et ouais, et puis Dan de Poitiers qui est, qui est incohérente, qui est... Euh... qui est pas compréhensible. Et pareil, euh, on sait pas ce qu'elle veut. Donc du coup, est-ce qu'elle veut du pouvoir, de l'argent, des terres Parce qu'elle a deux filles. Euh, là, on n'en parle pas on n'en parle pratiquement jamais de ces filles. Mais ces filles, elles n'ont pas épousé des clampins, en fait. Euh, puisque on l'avait fait. Attendez. Miro. Non. Oh, si on aurait pu. Elle dégage. Là. On en a déjà croisé une des filles de la maison de Lorraine. On, a déjà... on en a croisé une de ses filles, elle est là. Voilà, Claude II, duc d'Aumale. Donc voilà, je veux dire, elle épouse, donc, euh, donc on rappelle, hein, c'est un, un, un Guise. Hein. Donc le fils de Claude et de Antoinette de Bourbon, donc pareil, c'est quand même pas des clampins. Hein. On rappelle que lui, alors il n'est pas là, mais on a un cad, cad, cardinal de Guise aussi qui se balade hein, là dans, dans les six qui se baladent, hein, Il y a un cardinal de Bourbon, hein, un peu comme les deux. Il faut savoir que, en fait, à l'époque de Diane de Poitiers, donc tu as François de Guise et son frère qui s'appelle aussi Louis, hein, qui vont être un binôme de Guise un peu emmerdant, hein, un peu comme ces deux là 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 les deux là là ceux que je ne peux pas blairer là là. Et là pardon. Voilà, donc voilà, euh, donc Louise de Brézé, elle épouse. Euh, donc oui, Louise de Brézé, parce qu'elle s'appelle pas comme sa mère, elle a le nom de son père, hein, bien évidemment. Donc Diane de Poitiers étant, ayant été mariée au sénéchal de Brézé, comment il s'appelle Je crois qu'il s'appelle Louis ou François, je sais plus, bref, on s'en s'entamponne. Euh, voilà, donc c'est Louise de Brézé, elle épouse euh, un Guise, et on rappelle que les Guises, euh, c'est la, la branche cadette de la maison ducale de Lorraine. Hein, Puisqu'on avait le bon le bon duc René et sa femme Philippe, donc on a Antoine le Bon qui est euh, donc duc de Lorraine avec une Bourbon Montpensier, donc encore une Bourbon qui se balade. Là t'as une autre Bourbon encore. Hein. Donc voilà, c'est pas des familles, c'est pas euh, le, le duc d'Aumale, là, c'est pas une merde en fait, c'est pas le petit euh, le petit le petit pécor du coin. Donc voilà et euh, son autre fille euh, son aînée Françoise elle épouse euh... Euh... merde comment il s'appelle les Lamarques un hein, lamarque qui sont des pas une grande famille assez importante alors plutôt du nord hein, puisque le duc de Bouillon qui fait chier dans chimère, qui a beaucoup comploté. Son épouse, c'était une Lamarque. Donc c'est euh, eux qui ont la principauté de Sedan, des choses comme ça. Donc c'est des gens importants. Ces deux filles épousent des gens hyper importants, en fait. Donc voilà, elle aurait pu vouloir euh, augmenter ses territoires euh, pour, ses, pour ses filles, euh, faire des bons mariages pour ses filles, mais comme on en parle absolument pas des deux filles de, de Diane de Poitiers, enfin, euh, je crois qu'elle en évoque, elle les évoque une ou trois fois. Tu te souviens qu'elle a eu des filles, voilà. Euh... Voilà, donc en fait, Diane de Poitiers, tu ne comprends pas ce qu'elle veut dans ce, dans ce truc. C'est pas, ah bah je veux ça, je l'ai, qu'est-ce que je veux d'autre On ne comprend pas ce personnage. Il est là, il est passif, le temps passe sur elle. Pareil, t'as tout un truc avec ça. Au début, elle a une petite servante, t'as toute une histoire de, de magie qui fait, qui fait un flop, qui fait flop. C'est la magie, la sorcellerie, elle est convoquée par le grand inquisiteur dans le premier épisode. Dans le deuxième, t'en en, en entends presque plus parler. Ah, l'affaire avec la, les inquisiteurs, ouais, c'est bon, c'est réglé, hein, machin. Pour. Tu, tu, tu fais, mais à quel moment hein, C'est pas possible, ils ont vu le premier épisode, comment ils sont fait. Ah putain, mais non, en fait, ça marche pas, faut qu'on change tout, on enlève, on n'en parle plus. C'est complètement incohérent, et. Euh... Voilà, parce que. Euh... Moi, j'avais lu que oui, ça allait tourner beaucoup autour de sa beauté, des secrets de sa beauté, la magie, la machin. Et en fait, t'as pratiquement que dalle. Alors oui, tu la vois faire des décoctions, des machins, des bidules. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de quoi tomber, enfin, euh, casser trois pattes à un connard, quoi. Pff, franchement, ce téléfilm, il n'y a tellement rien à sauver. Il n'y a tellement rien à sauver, c'est terrible. C'est terrible. Ça me fait de la peine, parce que... Euh, des films, euh, je veux dire, je travaille suffisamment sur le 17 e Et je pense qu'il y a moyen de faire des trucs super balèzes avant Il y a tellement de choses extraordinaires qui se passent à ces époques-là Où tu pourrais faire des intrigues, des grands trucs de cap et d'épée, des grandes romances Je parle, ne veux pas parler de la princesse de Clèves et de la princesse de Montpensier Parce que je vais encore me taper la, la tête contre un mur Mais voilà, il y a quand même une possibilité de faire des putains de trucs et ils nous pondent des merdes comme ça avec des scénarios qui tiennent pas la route, qui sont pas cohérents et c'est même pas euh... ah bah Diane de Poitiers, il y a une légende noire, une légende dorée, que, plein de trucs imaginaires, mais on a choisi de prendre les trucs imaginaires parce que du coup, bah on trouvait que c'était plus épique, plus romanesque. Je veux dire, c'est un point de vue qui se défend. D'ailleurs, concernant Diane de Poitiers, oui, c'est ce qui a été le mieux à faire probablement. Tu dis oui, euh, bah on a parti sur des trucs fictifs, des... sur des rumeurs, des petites histoires, et on a décidé que, euh, voilà, à la limite, ça aurait été presque mieux. Il n'y a rien qui va. Putain, mais t'as l'impression d'avoir des scénaristes qui savent pas écrire des intrigues, quoi. C'est terrible. C'est terrible, tellement il y a rien qui va dans ce film. Les personnages vont pas, l'histoire va pas, il n'y a pas d'un... Ouais, il a pas d'intrigue, il a pas d'enjeu. C'est triste en fait. Et tu fais, c'est un truc qu'ils font en grande pompe, en costume. Bah ouais, tu m'étonnes qu'on fasse, fasse plus de films en costume maintenant. Ils nous pondent des histoires à chier. Regardez, on a vu là un extrait de Diane de Poitiers qui date de machin. Diane de Poitiers, elle se bat à l'épée. Diane de Poitiers qui se bat à l'épée avec Henri II pour lui apprendre. Bah, vous êtes sérieux je veux dire, putain, les Américains des années 50, 60, 70, ils ont fait mieux que nous aujourd'hui, quoi. À quel moment vous dites qu'il y a un truc qui déconne Oh, mon Dieu. Donc, franchement, ce téléfilm, regardez Le secret d'histoire de Stéphane Bern. Hein, vous, vous, vous allez vous économiser du temps de cerveau disponible. Et j'ai envie de dire, quitte à ce que Stéphane Bern reprenne le roman, on va appeler ça le roman de Diane de Poitiers, au moins, vous connaîtrez le roman de Diane de Poitiers. Et c'est pas mal. Parce que les gens, il faut savoir un truc. Comme je vous ai dit, Diane de Poitiers, moi je ne connaissais rien, je ne connaissais pas. Mais il se trouve que j'avais acheté un livre il n'y a pas longtemps, Diane de Poitiers, écrit par Didier Lechure, donc qui est une biographie. Et je me suis dit, quitte à aller critiquer le film, autant la lire et pour faire un petit bilan par rapport à ça. C'est ce que j'ai fait. Donc quand je n'ai pas liveé dimanche, j'ai lu ça. Alors, il n'est pas bien long le bouquin. Il fait. Euh... Alors, sans les annexes, sans, les sans la bibliographie et sans les annotations. Annotations qui sont à la fin. Enfer et damnation. Le bouquin fait 336 pages. Il se lit très bien. Hein, on ne va pas se mentir. Didier Le Fur a une très belle écriture. Ça passe très bien. C'est fini on the nose. Donc, je me suis dit, en avant, gagnant Alors. Il faut savoir une chose quand on veut travailler sur des personnages historiques et qu'on n'est pas historien. J'insiste, je ne suis pas historienne. Au mieux, je suis archéologue, mais je ne suis pas historienne. Euh, moi, même quand je travaille pour Chimère et que je fais de la doc, je ne fais pas de la documentation sur des, sur des sources premières. Euh, je ne vais pas lire les correspondances, je ne lis pas forcément les ouvrages d'époque, etc. Parce que de toute façon, euh, voilà, ce n'est pas mon boulot. Donc moi, je fais de la documentation de seconde main, entre guillemets, hein, ça veut dire des choses comme ça. Et quand on veut se renseigner sur un personnage historique, euh, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Surtout quand on veut y mettre un peu de sérieux. Surtout que tu as beaucoup de personnages, et visiblement Diane de Poitiers rentre dans cette catégorie, qui ont euh, des bo bonnes, mauvaises réputations, et etc. Et tu as des pros et des anti. De hein. euh, façon, dès que tu as des nanas, tu es sûr que tu as des pros et anti. Donc c'est toujours compliqué. Donc, du coup. Tu veux bah, connaître Diane de Poitiers, alors moi Didier Le Fur, je sais que c'est un mec, euh, c'est un mec qui est cohérent. Donc, quand vous cherchez la biographie par exemple d'un personnage que vous voulez travailler pour votre roman historique, donc déjà il faut chercher des ouvrages récents. Hein euh, lire une biographie de Diane de Poitiers qui date du 18e siècle, je vais pas dire que c'est pas cohérent, mais voilà la recherche historique ayant évolué parce que oui, l'histoire est une science. Euh, la, les sciences avançant hein, dans tous les domaines, hein, histoire, euh, histoire bah, des rois, de la noblesse, mais histoire de la société, des mœurs et compagnies, donc tout ça s'évolue et donc les choses peuvent être réactualisées au goût du jour. Donc voilà, donc la biographie elle date de 2017. Donc 2017 c'était il y a 5 ans, donc c'est récent, il n'y a aucun problème. Alors Didier Le Fur c'est qui hein Parce que quand vous choisissez une biographie, un texte, regardez son auteur, c'est important. Alors, euh, donc Didier Le Fur, déjà c'est un historien, c'est quand même un bon point. En fait, on fait preuve, on a fait preuve de plus diriger, ri... de... enfin, a... oui on a fait plus de rigueur, il y avait plus de rigueur, voilà. Donc le mec, il est historien, donc déjà c'est pas mal. Parce que bon, moi je sais, j'en ai des bouquins parce que euh, j'achète ce que je peux aussi, hein. euh, voilà. Des fois, bah ça va être des journalistes, euh, des fois c'est juste des passionnés. Alors attention. Je ne suis pas en train de dire qu'un passionné ou un journaliste ne fera pas du bon boulot. Pourquoi Parce que l'histoire, c'est une science, ça s'apprend, il y a une méthodologie. Or, on... tous ceux qui font des études d'histoire, ils ne peuvent pas devenir historiens parce qu'il faut manger. Et les postes, il n'y en a pas 50 000. Hein. Sinon, euh, sinon, ça serait trop bien. Donc voilà, il y a des historiens pour bouffer ils deviennent enseignants. Hein euh, voilà, vous écoutez passion médiéviste, euh, la moitié des gens qui sont en thèse ou qui font des masters te disent Bah oui, moi je passe les concours de l'enseignement. Bah oui, parce qu'à un moment ils font bouffer des postes, il n'y en a pas 50. Donc attention, je ne suis pas en train de dire qu'un journaliste ou un enseignant, ou etc., ne pourra pas faire du bon boulot. Mais en fait, la question c'est de savoir quelles sources ils travaillent. Euh, moi je peux m'amuser à faire une biographie de Louis XIII, mais moi je l'aurais fait en potassant toutes les biographies que j'ai déjà. C'est pas comme si je travaillais sur les sources premières qui étaient des lettres, une correspondance, enfin j'en sais rien, vous voyez donc voilà, donc. regardez, donc. Après, on a... après on peut aussi voir euh, Alice enchaîné sur Wikipédia qui est l'auteur, qu'est-ce qu'il a écrit, hein, parce que si tu vois bah, Tartampion journaliste, ah bah tiens là il a écrit un bouquin bah, sur Diane de Poitiers, ah mais en fait euh, tout le reste qu'il a écrit c'est des choses sur la seconde guerre mondiale. Oui, donc ça peut quand même laisser entendre que l'époque de Diane de Poitiers, c'est pas son domaine. Donc voilà. Donc bon, Didier Le Fur, moi je le sais parce que j'ai sa biographie de François 1er. Euh, le mec, il, il est dans sa période temporelle. Hein. Alors, Diane de Poitiers, elle est à cheval sur François 1er et Henri II, titre. Euh, mais voilà. Et voilà, là on voit que euh, il a travaillé bah, sur le 4, 15e et 16e siècle, qu'il a écrit un bouquin sur la France en 1500, sur Marignan, qu'il a déjà écrit des biographies, donc euh, Louis XII, Charles VIII, Henri II, François Ier. Donc tout ce petit groupe, je ne sais pas si je les ai. Non, ils sont ils sont ils pas tous sur Miro, mais euh, voilà. Donc tu es, es vraiment sur la génération avant François Ier, François Ier en dessous. Donc clairement, le mec... La période de Poitiers, la cour de France, la noblesse, etc. Il connaît. Donc, ça reste quand même quelqu'un de fiable. Donc, on a affaire à une biographie qui est assez récente. Bon, j'ai vu que le bouquin, il a eu des récompenses, il a été bien accueilli. Donc, on a un auteur qui est, qui est cohérent, qui paraît fiable. Un bouquin qui est récent. Donc, le bouquin est récent. Alors, attention, ça ne veut pas dire que c'est bien. Hein. Il y a, en histoire, la notion de bien, pas bien. Euh, c'est toujours compliqué. Par exemple, parce qu'il cite... Heureusement, as une super bibliographie. Heureusement, le mec, il est historien, il sait faire, mais voilà. Donc, il cite tous les textes, enfin, tous les, les documents anciens. Mais moi, les documents anciens, je peux pas les, les vérifier. Donc, je suis obligée de faire confiance. Donc, voilà. Et ça, c'est super important. puis, bon, c'est euh, édité aux éditions Perrin. Enfin, c'est M+, c'est la version poche, mais c'est l'édition Perrin. Hein. Perrin... Je ne vais pas dire qu'ils ils, ils font des bonnes choses, hein, même si euh, ils viennent de sortir le dernier Franck Ferrand. D'ailleurs, il euh, y a une faute dans la présentation. Hein, mon Louis XIII, il est devenu Louis XII. Bref. Ok, Mini Clio à toutes. Donc, donc le bouquin, il est pertinent, il est cohérent. Enfin, le bouquin. À première vue, le bouquin, il est cohérent, pertinent. Alors, le bouquin. Qu'est-ce qu'il nous dit Bah, ben, grosso modo, il nous dit que ben, Diane de Poitiers, en fait, on connaît... Pas grand chose, voilà donc euh, bon. Bon, l'indro m'a laissé dubitatif parce que bon, euh, les... il enfin, tacle un peu les enfin, il tacle un peu les. C'est surtout Eliane Viano qui tacle. Hein, on va pas se mentir, hein. quand tu regardes les notes de fin de pas de fin de livre, euh, c'est toujours elle qui tacle. Donc voilà, qui grosso modo dit que non, au 16e siècle, les gonzesses euh, elles n'ont pas de pouvoir, c'est de la merde, il faut arrêter de fantasmer. Bon, donc, moi je le prends un peu mal, hein, mais bon. Ah, c'est lui l'expert, pas moi, mais euh, voilà. C'est toujours le problème des auteurs. Tu sais pas dans quelle branche, enfin, quelle branche, euh, quel courant de pensée. Hein. Ça se trouve, c'est juste un gros masculiniste de merde et qui peut pas accepter l'idée qu'une femme ait eu du pouvoir. On n'en sait rien. Hein. Attention, je, je suis pas en train, je, je, je connais pas le monsieur. Hein. Je, je peux pas savoir euh, sa biographie de François 1er. Je l'ai pas fini parce que j'ai rien compris. Je connaissais pas le domaine à l'époque. Euh, donc voilà, bon, il revient sur ça, moi ça m'irrite un peu le poil, parce que ça fait vraiment euh, les femmes seconde zone, etc., ça m'agace un peu, mais... Voilà, puis il tape que sur Eliane Viano, donc euh, s'il avait sorti plus de noms, j'aurais peut-être moins... Bon, bref, donc, il dit que le problème de Diane de Poitiers, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose. Alors qu'est-ce qu'il fait Il nous fait une première partie où il nous raconte la vie de Diane de Poitiers. Hein, ce qu'elle a fait, sa vie, machin, son œuvre. Et il dit, voilà, ça, c'est ce que tout le monde connaît, c'est ce que tout le monde raconte. Mais qu'en est-il vraiment Donc, on est dans une très bonne démarche. Et en fait, tout le livre est super intéressant pour ça et super agréable à lire. Donc, il fait un bilan. Voilà ce qu'on raconte sur Diane de Poitiers sa vie, son œuvre, sa biographie. Alors, en rapide, hein, puisque le bouquin il fait 300, 300 pages, hein, donc forcément ça va vite. Il dit Mais du coup, qu'est-ce qui nous permet de raconter tout ça et là, c'est vrai que ça commence à blesser un peu. Donc, il revient sur les sources primaires. Ça veut dire les, les, les correspondances anciennes, les, les, les choses d'époque, en fait, de Diane de Poitiers. Et euh, bah là, visiblement, c'est un peu la dèche en niveau documentation de l'époque. Donc, très peu de courriers. Il y a des périodes entières où, visiblement, euh, Diane de Poitiers, pff, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'elle fait, elle n'est pas nommée, etc. Donc, il semble dire que, en fait, Diane de Poitiers. Euh, raconter toute sa vie rien qu'avec les sources qu'on a c'est pas possible alors évidemment je suis pas historienne je connais pas les sources j'ai pas accès aux sources je ne peux pas les vérifier donc je fais confiance peut-être qu'un autre historien et l'historienne diront oh, mais attends euh, il te parle de ces sources là oui mais il y a tout ce corpus qu'il a pas exploité parce que je sais pas quoi bidule parce que c'est voilà il y a peut-être des choses je ne sais pas donc il nous dit voilà compte tenu des sources qu'est-ce qu'on peut dire sur Diane de Poitiers on peut dire ça. Bon, pas grand-chose. Le seul truc que je trouve un peu chelou, c'est que le côté romance avec Henri II semble attesté, mais en fait, je trouve que dans le bouquin, il n'y a pas vraiment de choses qui t'apportent clairement que, en fait, Diane de Poitiers était la maîtresse, sexuellement parlant, d'Henri II. Très proche, peut-être, mais je trouve que finalement, sur ce point-là, l'auteur est pas clair. Mais bon, bref, peu importe, passons. Il dit, mais... Compte tenu de la documentation historique qu'on a, on n'a que ces informations. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à la biographie qu'on a découverte au début Et en fait là, il va revenir sur toutes les, enfin, tout ce qui a été fait sur Diane de Poitiers, entre guillemets à partir du moment de sa mort, hein, si je peux me permettre, jusqu'au début 20e siècle. Et là, c'était aussi très, très intéressant de voir comment des auteurs ont parlé de Diane de Poitiers, des auteurs qui ne l'ont pas connue, puisqu'ils sont postérieurs, comment les époques et les courants de pensée ont donné des images de Diane de Poitiers. Par exemple, Diane de Poitiers, était, elle était catholique, et en fait, beaucoup des textes sur Diane de Poitiers sont écrits par des protestants. Donc, forcément, ils n'allaient pas lui lancer des fleurs. Donc voilà. Puis bon, elle était la maîtresse du roi pas très moral tout ça puis elle avait 20 ans plus qu'elle elle pouvait plus avoir d'enfants donc avoir du sexe quand on peut plus avoir d'enfants c'est mal donc l'auteur y développe tout comment des auteurs des poètes etc ont brossé un portrait de Niane de poitiers et comment des fois tu as des gens ils te balancent des infos euh, ouais ok mais ça sort d'où on sait pas on sait pas. Donc, comment ça brode, ça brode, comment donne im une image très négative de Diane de Poitiers, une femme, enfin, une prostituée, on va pas se mentir, hein, c'est comme ça qu'il l'appelle, euh, la vieille putain, c'est comme ça qu'il l'appelle, donc ça vous donne ça vous quand même le niveau euh, bah, c'est une pute, euh, qu'elle aime l'argent, le pouvoir, c'est un vampire, elle est voleuse, enfin, que des choses très positives. Et comment au fur et à mesure des choses s'ajoutent, comment des, à des périodes, bon, ben, on revient sur des visions un petit peu plus modérées. Oh oui, Diane de Poitiers, oui, elle aimait le pouvoir, le machin, mais Henri II, c'était un gros mou qui n'avait pas de personnalité. Euh, donc au final, euh, bon, c'est pas... Voilà, mais Henri II, c'était un mou. Et puis pff, voilà, et comment tu, tu développes, tu développes. Et pour arriver à la conclusion, ben... Euh, Aujourd'hui, si on connaît Dan de Poitiers, c'est par tout ce processus. Donc en fait, cette biographie, elle est intéressante, parce que justement, tu vois comment le, le temps construit ton personnage historique. Et c'est intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, moi la première, hein, je ne vais pas me mentir, on se construit nos personnages historiques par rapport aux lectures, par rapport aux films. Hein, je ne vais pas vous mentir avec Richelieu et Louis XIII. Euh, hein, euh, moi, Richelieu, euh, ce que je connaissais de sa vie, entre les films, euh, ce que j'ai lu sur Wikipédia, avant de me plonger plus, plus en détail sur les biographies, je savais pas grand-chose. Hein. Donc, on se construit des personnages comme ça. Les, les personnages historiques sont aussi des constructions euh, historiques hein, par les auteurs. Hein, euh, on pourra penser à, à des romans historiques. Pensez aux Trois Mousquetaires. Pensez à l'image que les Trois Mousquetaires donnent de Richelieu, de Louis XIII et d'Autriche. On est, mi enfin, on est à milieu de la vérité, on n'est pas là. Même D'Artagnan, le D'Artagnan des trois mousquetaires, je vous assure que ce n'est pas le D'Artagnan des films que vous connaissez. Hein, si vous lisez les livres d'Artagnan, vous allez le trouver odieux. Et le D'Artagnan historique, ce n'est pas ça non plus, en fait. Le D'Artagnan historique, il a servi sous... majoritairement sous Louis XIV. Et pas forcément sous... ah, un petit peu sous Louis XIII, mais pas que. Mais un petit peu plus tôt. Je, je vais arriver. Donc voilà, c'est donc tout comment Diane de Poitiers, en fait, est un personnage, pour le coup, historique, mais issu du roman, ce qu'il appelle le roman de Diane de Poitiers. Hein, comme le roman national. C'est la même chose. Donc j'ai beaucoup aimé cette biographie pour ça. C'est super plaisant. Parce que du coup, tu, en plus, tu vois le processus scientifique qui s'en découle. Et ça, c'est aussi très important, je pense, dans, dans ce genre de biographies. Euh, parce que bon, toutes mes biographies, je les aime. Il hein, n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est vraiment des biographies qui te disent, ben bah voilà, en telle année, il fait ça, puis il se passe ci, donc il réagit comme ça. Et puis à ce moment-là, il va se marier, et puis... puis voilà. Là, tu es dans un autre processus, bah, probablement, parce qu'en fait, en forme de documentation historique, peut-être pure et dure. On n'a peut-être pas de choses en fait suffisantes pour écrire une biographie. Alors, ça c'est l'état que donne le livre. Mais comme je vous dis, il y a peut-être d'autres auteurs, pas médiatiques comme Didier Le Fur, qui publient pas autant, qui pourraient avoir un autre discours sur Diane de Poitiers. Ça, il faudrait chercher des articles dans les revues, euh, li euh, pas littéraires, mais les revues historiques, plus détaillées, parce que bon, Didier Le Fur, ça reste un mec, euh, il a quand même travaillé sur Charles XII, euh, Charles VIII, Henri II, François Ier, que des mecs. Il a écrit que des biographies de mecs. Donc, il, même s'il connaît forcément les dames qui gravissent autour de ces gens, hein, c'est obligé, c'est le principe. Sa spécialité, c'est peut-être pas le statut féminin à cette époque. Et peut-être que quelqu'un qui travaille justement sur la place des femmes à cette époque, euh, le réseau de pouvoir, le réseau d'influence, etc. Pour vous dire, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ce qu'a écrit Didier Le Fur, hein, parce que ça se trouve, c'est un gros sexiste de merde. Peut-être pas, hein. je suis désolé, Didier Le Fur, si vous passez par là, c'est pas contre vous, hein, c'est des exemples. Mais voilà, ça se trouve, ils vont dire, c'est un gros sexiste de merde, il veut pas en entendre parler que les gonzesses, euh, elles en avaient dans le slibard, et du coup, bah forcément, Diane de Poitiers, il, il lui descend sa gueule. C'est possible. Mais en tout cas, quand bien même, cet ouvrage, il a quand même cet intérêt là de montrer, bah, on n'a pas grand chose, au niveau des sources, on a ça, bon. Pff. Ça casse pas droit, t'es un connard. Hein Et comment on arrive à maintenant... Bah... à en faire des téléfilms. Mauvais téléfilms. D'ailleurs, il en parle, hein, du secret d'histoire de Stéphane Bern au début. Hein. Il en parle. Il en parle. Donc voilà, donc. Euh, voilà. Du coup, même en ayant lu ça, euh, c'est compliqué pour moi de vous dire, Diane de Poitiers, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Euh, on va pas se mentir, euh, je pense que le téléfilm est très fantasmé. Euh, outre le fait qu'ils ne savent pas où ils allaient, euh, ils n'ont pas eu de direction. Ils, voilà. Ils n'ont pas cherché une ligne euh, directrice du personnage de Diane de Poitiers. Parce que bon, c'est José Dayan. José Dayan, c'est quand même la, la maman, de, on va dire, de Captain Marlowe. Ça a pas l'air euh, elle a l'air plutôt féministe dans ses positions etc parce que oui José d'ailleurs est une femme pour ceux qui savent pas donc voilà donc je pense que José D'ailleurs a peut-être pas osé euh, aller euh, dans quelque chose de trop irréel hein, genre le le, fil le film américain avec Diane de Poitiers qui se bat à l'épée peut-être rester sur quelque chose de plus historique mais comme finalement les informations sont très ténues, elle a brodé. Sauf qu'elle n'a pas choisi une, une, une trame cohérente, une trame pertinente. Elle n'a pas su présenter le personnage. Elle n'a pas su faire construire un personnage cohérent, charismatique. Euh... Euh, voilà. Et en fait finalement on se retrouve avec un tel film qui est nul. Et je ne parle même pas de la pauvreté des décors, des costumes. Hein. J'ai envie de dire si on avait eu des personnages qui tenaient la route, même avec des costumes de merde. Effectivement, ce serait plein des costumes de merde. Mais au moins, on avait des vrais personnages, des... une vraie intrigue. On n'a rien, là. Et c'est moi qui dis ça. Je suis quand même pas la, la mieux placée en cinéma. Hein Je sais que ma grille de lecture cinéma, elle est complètement moisie en plus. Ne hein vous inquiétez pas, on me le rappelle bien assez souvent que. Ah, j'adore cette série. Il n'y a que de la merde dans cette série. J'aime pas cette série. Quoi, t'aimes pas cette série alors que c'est super bien écrit, c'est merveilleux. Oui, je me suis fait défoncer avec Endor et, euh, et, Seigneur de, et le, les Anneaux de Pouvoir, donc voilà. Là, avec deux séries, on m'a encore, encore prouvé à part A plus B que j'avais mauvais goût et que je sais pas apprécier une, une série de qualité. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ouais, mais tu vois le côté jeunesse éternelle de Diane de Poitiers Même ça, je trouve qu'il n'est pas exploité alors parce que oui, elle veut pas dire quel âge elle a. on sait qu'elle est qu'elle est un peu vieille, il y a toutes ces petites manipulations là, puisqu'on... Euh, alors je sais pas d'où ça sort, il en parle pas dans le livre, le Didier Le Fur, qu'elle buvait une décoction d'or tous les matins, et bon bah finalement ça l'empoisonne plus qu'autre chose, mais c'est pas grave, mais voilà, même ça c'est pas assez axé, on n'a rien qui, qui, qui montre, tu vois, euh, je sais que dans le secret d'histoire, je m'en souviens, ils en parlaient ça, alors... C'est toujours du roman de Diane de Poitiers, mais qu'elle montait à cheval, qu'elle était sportive, qu'elle prenait des bains d'eau froide. Hein, L'hygrothérapie, hein, la conservation par le froid. Euh, voilà. Et du coup, t'avais quelque chose de mise en avant, justement, de conservation. Et c'est quelque chose qu'on aurait pu avoir, en fait, dans le téléfilm, où tu vois que oui, bah, elle veut tenir à sa jeunesse euh, par des rites. Enfin, euh, pas forcément magiques. Toujours un petit peu, parce qu'à l'époque, science et magie... Euh, ça sépare pas. Mais euh, voilà. Puis jeunesse éternelle. Jeunesse éternelle. Elle est morte à 66 ans, la meuf. Ah, Maintenant, nous, ferait Ah, mort à 66 ans, c'est pas vieux quand même. Parce que voilà, euh, il le dit Didier Le Fur. à l'époque, quand tu arrives à 30 ans, t'es déjà considéré comme une vieille dame. Es, euh, quand t'as 40 ans, c'est bon, t'es fini. Hein, t'es euh, es, 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 es complètement moisi. Donc, tu fais, euh, oui, non, mais t'aurais pu avoir des choses intéressantes à ce niveau-là. Mais euh, t'as pas, quoi. As, je trouve que c'est même pas ça. Parce que tu me l'avais dit qu'ils voulaient jouer sur le côté jeunesse éternelle. Mais en fait, finalement, t'as rien dans le téléfilm qui te travaille sur tout ça, tu vois. Ils auraient pu choisir, effectivement, cette ligne conductrice qui aurait pu être critiquable. Mais au moins, t'avais une ligne directrice la jeunesse de Diane de Poitiers. Effectivement, tu aurais pu la voir chevaucher vigoureusement, euh, alors faire des grosses scènes bain, bain d'eau froide, s'entretenir, se laver. Euh... Voilà, il y aurait pu y avoir des choses. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que tout le monde s'accorde à dire, ah, elle était belle, elle était jeune, il y avait ses secrets de beauté, mais en fait, personne, applique... personne d'autre les appliquait. Euh, je veux dire, on voit bien maintenant, hein, si t'as une nana qui t'explique que se barbouiller le visage de testicules de, euh, je sais pas, euh, un animal relou, ah, de, ça va s'imprégner le visage de testicules de putois, ça t'évite d'avoir des rides, mais t'es presque sûr que t'as plein de nanas qui vont s'empresser de se barbouiller la gueule avec des testicules de putois. Et là, t'as l'impression que les, les, les pratiques de Diane de Poitiers ne sont sans perpétuées. Voilà, on aurait pu avoir effectivement accès le côté Diane chasseresse. D'ailleurs, on la voit comme une con là, tirer du poisson dans, dans les douves d'un château, mais pourquoi Pour rappeler qu'elle tire à l'arc. Mais à ce moment-là, il fallait la faire chasser. En plus, alors je vais pas dire que la chasse c'est bien, hein, c'est pas l'idée. Mais à l'époque, la chasse c'est l'activité sportive par excellence, parce qu'à l'époque on fait pas de sport. Mais en fait, cavaler à cheval, euh, etc., c'est du sport pour à l'époque. Les rois chassent beaucoup parce que c'est aussi une manière de se tenir en fait en, en, en bonne santé. C'est l'exercice physique. Hein Alors, parce que les gens ne savent pas, mais en fait, quand tu montes à cheval, euh, c'est pas le cheval qui bosse et toi, t'es tranquille, pépouze, ton, ton cul sur ta selle. Non. Hein Je t'assure que non. Hein, tu, tu bosses aussi physiquement. Et donc forcément, quand tu fais des grandes cavalcades, bah ouais, tu bosses, tu travailles. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, euh, sous réserve de quelques personnages... Euh, même s'ils sont assez corpulents, euh, les mecs c'est pas des gros obèses dégueulasses parce que quand tu vois comment ils bouffent, t'aurais pu dire ah, je commence à ceux qui font pas 150 kilos. Mais c'est parce qu'en fait ils bougent. Et il y a un autre truc qu'on n'oublie pas, c'est qu'à l'époque les cours elles sont itinérantes. La cour de François 1er elle se déplace, ils sont pas fixes. C'est pas comme euh, comme j'allais dire avec Louis XIV en majorité, mais même un petit peu avant euh, Louis XIII il euh, loge majoritairement. Euh, il loge majoritairement au Louvre. Ah bon, il a son petit pavillon de Versailles, ils peuvent aller à Saint-Germain et deux, trois châteaux comme ça. Mais en fait, ils sont relativement fixes. À l'époque, François Ier, il se balade entre bah, Amboise, Chambord. Euh, ils vont assez peu à Paris, en fait. Mais il se balade comme ça. Puis, on n'oublie pas que François Ier, il est allé jusqu'en Italie pour se faire bas pour bastonner. Hein, parce qu'il a gagné Marignan, mais il a, gagné, il a perdu Pavie après. Donc Parce que le roi, il bouge. Il se bouge. Donc voilà, le, le vrai problème de, 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 de ce téléfilm, au final, alors, à quel moment ça a merdé À quel moment ça a merdé Pourquoi on, on peut revenir ça un peu sur le côté euh, téléfilm historique. Et je sais parce qu'en préhistoire, ça marche beaucoup. Euh, en fait, les gens se font une image d'une époque. Euh, entre guillemets, les Gaulois, c'est Astérix. Euh, la préhistoire, c'est. Euh... Euh, homme idiot, euh, tire femme dans grotte pour la violer avec grosse massue. Euh... Et voilà, les gens se font une image de ces périodes historiques. Et euh, je pense que pour François Ier, etc., ça fonctionne aussi. Le problème de donner un aspect plus historique, plus réel à l'aube des connaissances, bah, c'est qu'en fait, les gens, quand ils regardent les trucs. Euh, voilà. Aujourd'hui, tu fais un film avec des, des Gaulois. Alors. Pas forcément la guerre des Gaules parce que les Romains, mais où il n'y aurait que des Gaulois, Mais on te montrerait les Gaulois, les gens seraient les premiers à dire Ouais, qu'est-ce que c'est que ça C'est pas des Gaulois, ils ressemblent pas à des Gaulois Bah oui, mais sauf qu'en fait, la recherche historique et surtout archéologique a beaucoup progressé ces 30, 40, 50 dernières années. Et le Gaulois moustachu avec son casque à cornes, à moitié torse-poil, etc., il faut complètement oublier les gens. Euh, en plus, je dis ça, les Gaulois, ils ont inventé la, la moissonneuse batteuse. Oui, les gens, les Gaulois ont inventé la moissonneuse batteuse. Je vous jure, c'est pas une fake news. Euh, donc voilà. Et la préhistoire, pareil, tu représentes la période, alors plutôt paléolithique, hein, quand c'est néolithique, hein, c'est encore un peu différent. Mais le paléolithique, tu le, re, tu le représenterais comme, on lit, comme il, il est plus imaginé par les archéologues maintenant. Mais putain, mais les gens se taperaient la tête contre un mur! On ferait des vêtements qui seraient à peu près corrects. Euh, bah regardez, ah oh, le dernier néandertal. Oh, pourquoi est-ce que néandertal est disparu Le mec, il est torse-poil dans la neige. A ton avis, il a de la neige jusqu'aux genou, il est torse-nu. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts, les néandertaliens Je veux bien croire que les néandertaliens supportaient mieux le froid que nous, mais quand même, à moins 50 degrés, torse-poil dans la neige. Et voilà parce que c'est du néandertal les gens ils veulent voir des euh, bah, presque des bêtes sauvages en fait. Ils veulent pas ils s'attendent pas à... tu montres un sapiens, tu montes un néandertal et tu fais ouais, mais attendez la différence entre les deux c'est qu'il y en a un qui est plus grand l'autre qui est plus trapu et voilà. Et je pense que malheureusement quand tu fais des films historiques comme ça des téléfilms historiques tu souffres aussi de cette vision. Les gens veulent une vision des choses. Et donc, bah, tu, te, tu te retrouves avec de la merde. Alors, avec, je disais ça pourquoi Parce que faut savoir à quel moment on a de ces merdes. Est-ce que c'est les, est les producteurs qui, du coup, veulent que ça colle à la vision que le public a de ces aériens Parce que si c'est pas ça, bah, le public, il va pas suivre. Parce que, ah, mais vous me dites que c'est de telle époque, mais en fait, c'est pas telle époque, c'est de la merde, je veux pas voir. Euh, Est-ce que c'est les scénaristes Alors, quand je dis que c'est les scénaristes, c'est quand les scénaristes sont pas soumis à la pression des producteurs, bien évidemment. Parce que si t'as un producteur qui te dit non mais écris-moi euh, un gaulois barbu moustachu, euh, le scénariste il peut dire non non mais c'est pas c'est pas barbu moustachu euh, avec un casque à corde un gaulois, euh, voilà si, si le, le producteur lui fait pression euh, ben tant pis hein, le scénariste il y est pour rien. Donc là je pars du principe qu'il n'y a pas de pression il y a pas Est-ce que c'est les scénaristes qui sont pas capables de faire euh, de faire un bon scénar euh, quand même Je pense que en France dire qu'on n'a pas de bons scénaristes Quand même, ça me paraît très difficile. Euh, Est-ce que parce que les scénaristes sont pressés par des, par des contrats de temporels qui font qu'ils ne peuvent pas faire de recherches suffisantes pour prendre un bon scénar, ça c'est possible, hein, parce que les cours, euh, les cours européennes, c'est assez compliqué, hein. euh, Moi je travaille sur la cour de Louis XIII, je peux vous assurer, je n'en comprends pas encore un cinquième du fonctionnement, hein. Parce que quand écris un film, ou que tu... t'écris un film ou tu... Euh... Écrire un film ou écrire un livre, tu peux pas en fait euh, reproduire à l'identique la... le côté historique. Hein, euh... Un bon film historique, c'est par exemple l'Allée du Roi. Hein, ou là, pour le coup, c'était pas mal. Mais en fait, parce que tu as tous des protocoles, des consignes. Euh... Euh, voilà, euh, par exemple, vous faites un film, bon, vous allez voir Richelieu qui dort dans sa piole. Vous faites, ouais, Richelieu il dort dans sa piole. Sauf qu'en fait, Richelieu il dort jamais tout seul dans sa piole. Il est jamais tout seul. Il y a des secrétaires qui sont toujours à disposition, et euh, quand il a sa garde personnelle, Richelieu, les gardes, ils dorment devant la porte de sa chambre. Moi, j'ai vu même des trucs où ils disent que les mecs, ils dorment dans la piole. <laughs> tu fais putain, Richelieu, il est dans son, son pieu, il y a 15 mecs autour. Mais jamais dans un film tu vois ça. Parce que bah, ça n'apporte pas, ça fait des figurants, il faut expliquer, donc voilà, donc tu réduis au, tu réduis au minimum. Ouais, voilà, puis c'est pareil, euh, on te fait euh, des téléfilms français, j'en ai quelques-uns en tête. Ah bah regarde, ils sont en train de faire, ils ils faire crac-crac dans leur lit. Sauf qu'en fait, euh, si le roi et la reine de France ils font crac-crac dans leur lit, eh bah, ben il y a forcément quelqu'un qui est là qui surveille. Alors, je ne peux pas dire que la personne est en train de regarder, parce que c'est les bah, des lits à baldaquer, donc il y a les rideaux. Mais il y a toujours des gens. C'est un truc de fou. Donc c'est très compliqué, en fait. Mais voilà, ça, dans, dans, dans un film ou dans un livre, tu ne peux pas le remplacer, et c'est pas grave. Parce que bon, voilà, c'est compliqué, ça demande 50 millions de personnages, j'ai quelque chose. Mais il y a un moment, il faut un peu de cohérence, en fait. Et c'est pareil, euh, tu dis les mecs, ils dorment avec les lits, avec les rideaux fermés. Sauf qu'on voit bien que les plans dans les chambres, il faut les voir dormir. Si tu mets les rideaux, bah, en fait, tu les vois pas dormir, ça n'a pas d'intérêt. Donc les rideaux restent ouvertes. Parce que les rideaux, c'est aussi une, man une manière de garder au chaud. Hein on va pas se mentir. Donc voilà, donc il y a plein de choses que tu peux, tu, tu fais pas. Mais ça, c'est pas gênant. Hein c'est pas gênant. Mais il faut quand même que tu aies un... un, un faut en fait, c'est toujours le merde. Euh, la, euh, la suspension de la crédulité hein, C'est comme dans les trucs de fantaisie Oh putain euh, T'as un elfe, il fait un bond de 40 mètres de haut Bah ben ouais mais c'est un elfe Tu acceptes par contre c'est sûr que si t'as un humain Qui est humain à 100% Qui a rien à foutre avec les elfes qui fait un bond de 40 mètres Ah ben ça c'est pas normal Comment ça se fait Mais il y a pas d'explication, bah ben, en fait tu vas pas fonctionner Ça marche pas et ça on en a tous connu des, des films où tu fais mais euh, ou même des bouquins mais attends c'est pas cohérent. c'est pas pertinent là ça marche pas et donc du coup tu décroches. Voilà ben c'est pareil à un moment t'as plein de trucs qui font mais alors tu fais bien, c'est bien sympa que le téléfilm euh, ils sont en replay et euh, que ça, ça dure une heure et demie mais tu fais mais en fait il euh, a pas d'intérêt. il a pas d'intérêt. Tu, tu comprends pas où ils veulent aller tu vois t'as pu dire bah, toute la première partie c'est comment bah, Diane de Poitiers va sé, va séduire euh, Henri II comment ils vont se tourner en tour mais comment c'est compliqué parce que Henri II nia ni un bidule et puis la deuxième partie t'aurais pu faire bah c'est bon c'est sa maîtresse officielle mais euh, bah, le problème, c'est qu'avec Catherine de Médicis, c'est compliqué. Et puis, euh, si Catherine est répudiée, il bah, y a une autre épouse. Mais est-ce qu'avec l'autre épouse, ça pourra marcher Voilà, on aurait pu choisir. Il y avait des axes. Mais en fait, euh, non. La, la confrontation avec la duchesse d'Étampes, ben ouais, tant que François Ier est là, ouais. Mais une fois que François n'est plus là, ben on s'en fout, ça disparaît et rien. T'as personne qui prend le relais. Euh, T'as pas. Parce que François, euh, Henri II, hein. Euh, donc il en a fait une tripotée avec. Euh, avec Catherine, hein, puisqu'ils en ont fait 10, je crois. On va retourner vérifier. Je crois qu'il y en a 10, parce qu'il y a les deux jumelles qui n'ont pas vécu. Donc François, Elisabeth, Claude. Claude, c'est une fille, hein. Alors tu vois, il y a un Louis, Duc d'Orléans, qui a vécu un an. Euh, Charles, qui sera Charles IX. Henri. Marguerite, François, le duc d'Alençon, et les deux jumelles Victoire et Jeanne qui n'ont pas vécu. il y en a une qui est mort-née mort et l'autre, euh, elle est morte un peu de temps après. Donc, euh, voilà. Donc, tu as quand même eu 10 euh, morpions. Et il a eu au moins trois enfants illégitimes. Donc. Euh... Et on sait qu'il a, eu des, euh, des a eu des, des aventures avec d'autres nanas. Donc, il y aurait pu y avoir, justement, comment Diane de Poitiers, pour assurer aussi son pouvoir, euh, conserver son amant, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle... Il y avait des choses à faire. Et comment, ben ouais, elle devient proche d'Henri II, hein, puis elle se découvre une passion pour le pouvoir. Alors, comment elle fait pour rester au pouvoir, etc. Il y avait des choses à faire. Il y avait des lignes, à... mais je sais pas, ça n'a pas été fait. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas. C'est malheureux, hein, mais euh... ouais. Voilà, voilà. Ah, bon. Écoutez les enfants, je crois qu'on a parlé de tout. Hein euh, on a parlé du nano en début de là, de Chimère que je vais continuer à avancer. D'ailleurs, si un jour je me descends sur cette période avec Chimère, je ne sais pas comment je vais faire. Ça va être encore une sacrée emmerde, toute cette affaire, bref. Euh, donc on a parlé de ce merveilleux film. Non, c'est pas vrai. Téléfilm de, euh, sur Diane de Poitiers, qui m'a permis de livrer un bouquin. Super intéressant et plutôt bien construit. Donc, si jamais ça vous intéresse, franchement, moi je vous le conseille. Si vous l'avez en bibliothèque, hein, vous privez pas. Parce que franchement, il valait le coup. Il n'est pas long. Il est pas long. Il est facilement accessible. Alors, facilement accessible. Il y a quand même des fois, je suis là. Ouais, mais du coup, lui c'est qui Lui c'est qui Et des fois, ça cite des noms et on ne sait pas qui c'est. Alors, malheureusement, c'est un peu le, le lot de ces jeux-là. Parce que forcément, autour de la pampleur, rien que la cour d'Henri II. Euh, t'as une pléthore de personnages qui évoluent etc donc c'est compliqué de te citer tout le monde expliquer qui est tout le monde donc, moi sous réserve, moi je comprends un peu les, les personnages donc ça va mais il me semble que le livre est relativement accessible si vous vous intéressez à l'époque ça, ça vaut franchement la peine hein. donc voilà bon alors la semaine prochaine donc au delà de la chouette et la blairelle je pense qu'on ne fera que un live euh, écriture euh, mardi euh, moi de mon côté, il faut que j'essaye de voir avec les intéressés comment est-ce que je peux faire. Euh... Oh pardon. Euh, comment je peux faire pour. Euh... <laughs> hein Parce qu'on a dit qu'on voulait le faire, ça, hein, hein Le beau trivial pour si hein, hein Édition Histoire de France, hein? Je suis toujours l'idée. Je suis toujours sur l'idée, je commence à avoir quelques petites idées comment on va pouvoir mener ça. Hein. De, toute façon, euh, de toute façon, le but ça sera de faire un truc bon enfant, hein. on va pas se prendre la tête, hein. euh, c'est pas l'idée. Donc ça sera de faire un truc bien cool, bien sympa. Et voilà, donc euh, il faut que je recontacte les personnes qui voulaient faire ça. Et puis on verra bien. Bon, et eh bien, je pense qu'on va s'arrêter. C'est bien parce que moi c'est pas tard, je vais pouvoir me... Reposer. Ah bah ouais, mais Mini Clio, moi je vais arrêter. Sauf si t'as des choses à raconter. Parce que voilà, j'ai dit tout le mal que je pensais du téléfilm sur Diane de Poitiers. Tout ce que je pensais de ce bouquin qui est plutôt bien. Hein ah je suis désolée, Mini Clio. Hein, comment ce bouquin, il est plutôt bien. Il vaut la peine d'être lu. Bon, commenter, critiquer. Moi, j'ai pas forcément toutes les, les cartes en main pour pouvoir le critiquer. Mais euh, euh, je pense à bon, bon ouvrage. à... Euh un potasser si le sujet intéresse hein. et puis et puis voilà et puis je dis ça, la semaine prochaine on fera probablement qu'un live d'écriture hein. euh, après euh, je peux faire toujours des lives surprises c'est pas un problème mais euh, me reposer prendre du temps pour moi et puis bah, continuer d'écrire c'est au putain de chimère de merde de mon côté hein, parce que moi je vais continuer d'écrire hein, euh, voilà euh, sinon un dernier petit truc Hop là, j'en profite <médicatrice> Allez on fait un peu la boîte de nuit avant de partir Alors, je rappelle Zokeou. On ne sait-on jamais. Sait-on jamais? J'ai un Tumblr. Alors si j'arrive à aller sur mon Tumblr. Hop là. Ce soir, mmh. J'adore chez Boris disco. C'est tellement nul, mais j'adore. Mmh. J'adore. Non, c'est disco pour Boris. Donc voilà, j'ai un petit Tumblr, hein, et je vais essayer de tenter de commencer à faire peut-être un peu de médiation par là-bas. Alors, je pense que ça n'intéressera personne, comme d'habitude, mais si jamais vous êtes là-bas, hein... Euh, N'hésitez pas peut-être à y jeter un petit coup d'œil. Sait-on jamais. Il y aura peut-être des choses intéressantes qui se passeront à un moment ou à un autre. Allez, on remet, on remet Boris parce que j'aime Boris. Ce soir, Boris, événement, <laughs> J'adore ce truc. <laughs> des fois, il n'y a faut pas grand-chose pour nous faire marrer, hein. Bon, allez, les gens, je crois qu'il va être temps euh, bah, de vous souhaiter euh, une bonne nuit, une bonne soirée. Courage à ceux qui travaillent demain, c'est bientôt le week-end. Je fais partie de ceux qui bossent demain. Je suis la seule au boulot à travailler demain. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un live d'écriture. Allez, salut les gens, à plus, bisous!